Bonsoir monsieur. Bienvenue dans votre monde réel. Votre employeur est satisfait. Il renouvelle votre contrat pour 24 heures. Détendez-vous. Nous allons sélectionner votre programme selon votre humeur. Lancement du programme. Cet anagramme démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités, quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. Continue, please. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Des décennies dans un coma chronique, bientôt 5 ans dans la franc-macronie. T'as fait le deuil de tout ce qu'on t'a promis. Le diable se cache derrière des acronymes ou derrière un président vide en disant que c'est la bête qu'on intronise. On va pas se plaindre en attendant qu'on agonise. Faut que les neutrons c'est les étrons qu'on atomise. Demain c'est loin, si ce n'est pour nous, c'est pour nos enfants qu'on agit. Pas de mystère, ils nous frappent juste parce que nous attendons la gifle. Je prendrai pas leur potion magique par intraveineuse. On l'appelle le passe-nazitaire sûrement parce qu'il faut tendre un bras vers eux. Stop and go, assis debout, couché, masque obligatoire. Soumission totale doublée d'un attentat vibratoire. Libre à toi d'être un esclave, c'est un peu sale mot d'ordre. On a un dieu qui nous libère, nous prépare le Godor. De la transhumance au transhumanisme. Si leur plan foire, on va tous retrouver notre force dans une France unanime. Je suis cet acharné que la censure anime. Bientôt on va comprendre pourquoi des révoltés parlaient de censure anime. Trop d'apatrie te parle de patrie. Moralise le contraire de ce qu'ils pensaient leur marque de fabrique. Je les vois tous épuisés à l'écran comme une barre de patrie. Tu leur parles de valeur de la France, ils te parlent de braderie. Leur avenir c'est taffé pour Uber Eats, Deliveroo. C'est de l'esclavage les frères, au lieu de livrer, délivrez-vous. Non, je suis pas venu ici uniquement pour dénigrer tout. Mais n'importe quel humain sur terre peut voir qu'on a des vies très floues. Moins de pédophiles dans les prisons que dans la magistrature. C'est ton inertie d'aujourd'hui qui fera que ta vie sera dure. Mais oui, mais rien n'est si facile ici-bas. Mais qu'on est bien tombé si bas. C'est quand même fou qu'on puisse tous attraper un bout du sida. La science avance, fait des progrès, ils ont éradiqué la grippe. Dans leur pratique étatique, ils ont des tas d'idées magiques. Ils ont déjà niqué ta vie et gratiné tous nos principes. Tais-toi car ton avis pour eux n'est pas démocratique. Pour nos morts sans visite dans les hôpitaux, les EHPAD. Les familles bloquées devant des portes, échouées comme des épars. Quand des gros mythos les séparent, scarifiés ou sacrifiés. Oppressés par un agent de sécu payé en PC tasse. La paix s'efface dans le cœur, mais chacun paye ses taxes. Tu vois ton argent briller bien fort quand le préfet passe. Leur avenir se dessine bien radieux, mais le trait dépasse. C'est la cour qui fait les comptes sur nos comptes, qui crée des castes. Si c'est grâce que nous parle mal, c'est parce qu'on parle avec. J'ai pas gardé les cœurs, sinon je l'aurais jeté par la fenêtre. Demande aux jeunes s'ils veulent le droit de vote ou le jackpot. Leur président est banquier, parle aux Français comme un chatbot. La plèbe a voté pour MK Ultra. Je cherche une once de son empathie, c'est foutu, il reste même pas une trace. Tu crois que le CSA, la CNIL libère l'éthique. Ça fait 2 ans qu'il nous interne dans un asile cybernétique. Le docteur regarde de travers quand tu lui parles d'hypermécline. À se demander pourquoi ce fou a voulu faire médecine. Soignez le terrain, soignez l'intérieur de vous-même. Les corps, l'esprit et l'âme, devenez meilleurs que vous-même. La vision positive emmène là où la terreur ne nous mène. Travaille ton ancrage, t'évitera les erreurs de New Age. Puis la primaire, c'est pas possible de me la faire. Dans leur potion, y'a des dingueries pires que l'oxyde de graphène. Dieu merci, leur manigance dévoile aussi de travers. Mais y'aura thrombose, AVC, biopsie et scanner. Ou bien on fuit dans dopamine et vie ultra festive. Relisez bien la définition du mot travesti. Toute vérité est vouée à la lumière, y'a pas d'esquive. On récolte toujours ce que l'on sème quand on s'invite. Beaucoup ne pensent qu'à empiler des barres comme dans Tetris. Et toute ma vie j'ai représenté tout ce que ces gens méprisent. Non, dans mes prises de position y'a aucune pensée triste. Juste réaliste, un jour faudra bien combattre l'antéchrist. J'allais pas percer avec mes écrissages. Drape aujourd'hui c'est 2-3 athlètes méprisables avec un défrisage. Mis au placard ils m'ont bloqué dans un grenier grisâtre. Ils veulent la fumée, je vais leur en donner comme René Brisac. On est bloqué dans l'expérience de 1000 grammes. Dans cette ingénierie sociale l'espérance de vise brade. Y'a que du vent dans leurs mesures, ça sent l'errance, le mistral. Dur de raviver les presses de haine sans branche de lit. Soyez dociles, on aura le confinement climatique. Les postes du monde auront un continent privatif. À chaque palier t'auras un contrôle antipathique. À cause de la soumission que les gens trop gentils pratiquent. La rime est trop sophistiquée, je pourrais pas trop t'expliquer. Je viens t'imager pourquoi ils veulent t'offispiquer. Je vais pas dans l'allopathique, j'ai une vision holistiquée. Je viens de la promiscuité, je suis de ceux que la police fliquait. Rien à foutre de la carrière, faut garer leur république en marche arrière. L'époque est fatidique, on vit dans la charnière. On a tous des places à faire, elles sont pas en classe à faire. Le pire c'est de voir un enfant terminer en cravatière, dis-leur que c'est fini le game. Atali ou Bill Gates, réveille-toi, sauve ta famille, pense à ta vie, oublie le reste. Tout est prêt pour t'asservir avec leur Great Reset. Tu ramasseras ta monnaie de singe avec une épuisette. Y'a plus de social que des réseaux et des trains de vie déraisonnables. Ça délaisse l'essentiel en invoquant des raisons nazes. Des bipèdes te font des mômes, la vérité c'est des sauvages. Une vie insignifiante, mais ils attendraient des hommages. Des millions de gens se sentent à poil quand ils n'ont plus d'AirPods. Ils sont déjà prêts pour le transhumanisme et le QR code. Ça dépense un smic dans des bulles d'air ou des vulgaires bottes. On fera disparaître les nuisibles avec une lumière forte. Attendez peu des rappeurs jusqu'à ce que la victoire arrive. Ils
ils éviteront la manif et toutes les histoires à risque. Si on gagne, ils diront tous on est ensemble, c'est leur phrase hypocrite. Bienveillant envers leur maître, c'est pourquoi ils incitent au crime. Le temps est venu, c'est l'heure des comptes, faut nettoyer la piole. J'irai me refaire ailleurs si je dois ramasser de la tôle. Ils n'avaient que des chaînes de télé pour cadenasser la Gaule. Suffit de jamais les calculer pour s'arracher de la chôle. On veut justice, on a une soif inégalable. Tribunal pour les médecins qui veulent pas soigner des malades. Le seul moyen de leur faire comprendre que chaque peine est valable. Dites à Mediapart, y'a plus grave que l'affaire Benalla. Opposition, contrôler nos positions, on sont trollés, on les laisse faire et on savait qu'ils allaient se taire comme Crowley. C'est sûr. Trop d'influenceurs parce que trop d'influençables. L'argent a pris le dessus parce que trop ont cru en ça. Ils promotionnent pour Iblis et te disent c'est Dieu qui donne. Mais comme tout est inversé, on sait bien que c'est eux qui volent. Propagande sur esprit faible, y'a plus que des cinglés qui votent. Ce scandale vient tout révéler, plus rien semblait qui vogue. Pharma et l'état crapule sont indissociables. Si personne bouge, on sera tous soumis au crédit social. La dictature est là, on en sent les prémices au taf. Dans ce monde, ceux qui obéissent aux hommes obéissent au diable, ils sont viables. Trop de dirigeants avec des gros CV de traite ne pensent qu'à sceller le pacte avec des sociétés secrètes. Que des procédés de merde, tous les dossiers laissent se perdre. Et ces possédés ne pensent qu'à vous faire poser des œillères. On a trop cédé de terre, c'est maintenant ou jamais. Si on veut pas plonger dans les abysses, nos enfants nous regardent, le cœur battant. Notre force c'est eux, et leur rempart c'est nous. Yep, coucou les copains, bonsoir à tous, bonsoir Eva, bonsoir Zaza, bonsoir à tous les amis du Tcha-Tcha, bonsoir à tous les amis aussi qui nous regardent et sur le Twitter et sur le Facebook. On compte sur vous ce soir pour les partages. On dénonce énormément ce soir tout ce qui se passe pour nos mômes hein, en ce moment. La pédocriminalité, ce soir on va parler de ça, on va parler aussi des placements abusifs. On va parler des délires complets de l'ASE et des tribunaux qui sont complices de ça. Voilà, ce soir, on va parler de tout ça, les copains. Donc, on compte sur vous pour les partages. Hein. Il faut un maximum de visibilité pour ces émissions-là. C'est vraiment important. J'ai vu passer un message et voilà, c'est exactement ça. Les enfants comptent sur nous. Hein. Merci, Eva. Et vraiment, on compte sur vous aussi. Bonsoir, Eva. Bonsoir, Sassa. Comment allez-vous? Bonsoir Loulou. Et bonsoir le tcha-tcha-tcha. Bonsoir Loulou. Et bonsoir à tous. Ça va bien, merci. Alors, on va commencer avec Eva. Eva, donc ce soir, on va aborder vraiment un sujet qui nous touche vraiment à cœur. Hein, il faut le dire. Un sujet vraiment particulier qui peut déranger, on peut comprendre, hein, mais il est temps d'arrêter de détourner le regard parce qu'il y a des choses qui sont immondes, qui se passent dans notre pays et partout ailleurs dans le monde, mais dans notre pays particulièrement, ce pays qui part complètement à la dérive, à tout point de vue, et le danger est en train de s'abattre sur nos gamins, dans un silence total. Donc ce soir, on va donner de la visibilité à nos enfants, on va donner de la visibilité sur tout ce qui se passe sur eux hein, et c'est vraiment important. Donc Eva, si tu veux un petit peu aborder un peu les choses pour nous expliquer de comment on va aborder cette soirée. On oui. T'écoute. Merci. Si tu permets, je vais faire un préambule. Oui. J'ai attaqué il y a 2 ans la résistance par la pédocriminalité. Je suivais un direct pour le citer parce que je salue son travail et Dieu sait s'il subit des censures et etc. C'est Mathieu Mustica à Marseille. Et effectivement, au cours d'un direct, il a demandé de l'aide et c'est ce que j'ai spontanément fait hein, puisque il crée une mobilisation sur le port de Marseille à Lombrière pour ceux qui connaissent et demander à ce que quelqu'un puisse l'aider pour héberger à la base c'était Franck qui est un ancien brigadier donc policier voilà donc je me suis retrouvée en top chrono 48 heures à finalement non seulement j'ai hébergé Franck dans mon mobil-home à Agde. Stratégiquement, c'était pour eux
vraiment très bien, en fait, hein, au niveau géographique, ça faisait beaucoup de routes. Et en fait, Franck, après une prise de contact, m'annonce que non seulement je vais l'héberger lui, mais je vais héberger cette maman qui tous ceux sont, qui sont dans cette cause la connaissent, c'est Sandrine, la maman de Yuna. Voilà. Donc, je vous avoue que voilà, j'ai été comme une gamine, complètement à ne pas savoir, à paniquer, presque à vouloir appeler les pompiers, je vous dis honnêtement. Et dans le dernier moment, quand ils sont arrivés dans le camping, tu dis lâche prise, hein, sois humaine, c'est tout ce qu'on te demande en fait, hein, sois humaine et puis tu verras bien. Donc on a passé finalement 48 heures ensemble et sur Marseille, où, donc j'ai fait covoiturage et puis finalement ils ont passé deux nuits et deux soirées et bon bien sûr je rentre pas dans toute l'intimité de ce que ça peut impliquer comme teneur d'une rencontre complètement, effectivement, qu'on ne peut pas oublier et qui m'a marqué, évidemment. Mais dans ce qui m'a marqué, c'est que j'ai réalisé effectivement la teneur, la monstruosité du potentiel d'émotion, de surcharge émotionnelle, et qu'il faut être vraiment costaud, hein, même en tant qu'aidant, pour dire j'y vais et je vais assumer. Et après, j'ai compris tout en m'informant, hein, parce que j'étais complètement en train de m'instruire, je bossais des 15 heures par jour, tous les jours, à découvrir tout ce que tout le monde hein, a découvert maintenant, ça fait 2 ans et demi, la monstruosité de ce monde dans lequel on vit. J'ai dit, mais non, le truc est trop énorme, je ne connaissais strictement personne, hein, soyons bien clairs. Et du coup, j'ai dit, ben voilà, excuse-moi Mathieu, mais je peux pas l'assumer, c'est trop, et je me sens pas armée, et à part me brûler les ailes et servir à rien, voilà. Et du coup, ben j'ai rebondi quelques mois après avec la rencontre donc de Karine Trapp sur Nîmes en mars 2021, voilà. Donc je me retrouve là avec toi. On a eu l'occasion de se rencontrer, mais voilà, merci de nous recevoir. Et puis effectivement, c'est un sujet que ben, je me rends compte que peu arrive à aborder vraiment ce sujet. Je pense que oui, ça peut faire peur, je le comprends. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ben, il y a beaucoup de choses, hein, évidemment. Là, j'étais plutôt en train de quitter Facebook, et puis, ben, cette cause entre guillemets m'a rattrapée et je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. Donc, la rencontre avec Gladys la semaine dernière et quand j'ai vu son témoignage soutenant cette maman, donc Priscilla, qui est en prison au jour d'aujourd'hui et son procès est vendredi prochain à Toulon, on est aussi réunis quand même spécifiquement pour ça, hein, pour mobiliser, pour qu'il y ait un maximum d'êtres humains, de belles âmes qui ont envie d'être là en soutien, parce que ça ne sert pas à rien, ça ne sert pas à rien, vraiment. Donc, bien sûr, dans le local, hein, on ne demande pas aux gens de Lille de descendre à Toulon, hein, c'est quand même près, voilà, et il faut l'assumer, mais effectivement, on se doit de passer l'information, on se doit de dire ce qui est en train de se passer. Voilà. Super. Alors, très important en plus ce que tu viens d'énumérer. Moi, j'ai commencé à faire des lives pour tous les copines et les copains qui m'écoutent souvent, bah, quasiment tous les jours hein, sur les émissions. J'ai commencé à faire des lives sur ce sujet-là. Voilà, ça a toujours été le nerf de la guerre pour moi. Nos gamins, je le fais parce que je suis passé par les foyers, je suis passé par la maltraitance familiale. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, ça ne sert à rien. C'est pas mon cas qu'on va de quoi on va parler ce soir. C'est pas du tout mon cas, mais voilà, tout ça, ça me touche particulièrement. Et donc, moi, au tout début quand je suis rentré dans ce monde des livers, voilà, c'était un petit peu mon but, c'était de dénoncer
toute cette pédocriminalité, ces abus de placement, même les violences intrafamiliales. Hein, attention, on ne parle pas que de l'ASE, hein, on parle aussi des violences intrafamiliales. Il y a des choses horribles qui se passent dans un silence qui est franchement glaçant. Et voilà, il faut dénoncer tous les travers, où qu'ils soient, mais surtout quand ça concerne nos gamins. Alors, il y a Gladys qui nous a rejoint. Coucou Gladys. Gladys, c'est une des personnes aussi ce soir qu'on va écouter de son témoignage. Vous allez voir pas mal de choses. On va vous passer quelques petites vidéos, les copains. Bonsoir Gladys, comment vas-tu? Il faut juste que tu ouvres ton micro, sinon on ne va pas pouvoir t'entendre. Bon, pour vous expliquer un peu, elle est sur la route, donc on prend le temps d'avoir rentré dans ce direct. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'elle s'est. Elle a tenté, je ne sais pas. Elle appréhendait les problèmes de réseau. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, on va déjà parler de. Enfin, c'est pas nous qui allons le dire. Hein. Je vais vous passer un document que. Pour les personnes qui me suivent tous les jours, vous avez déjà vu ça sur une de mes émissions. Donc, la France hein, est le troisième pays au monde par le nombre de sites de pédopornographie et d'utilisateurs. Voilà. Donc, Muriel Salmona, psychiatre, aborde le sujet alarmant hein, parce que, en France, il n'y a rien qui est fait pour arrêter tout ça ou alors fait, mais vraiment tout petit. Et vous allez voir, c'est quand même assez édifiant. On va déjà commencer par ça, si vous voulez bien, et après, on se retrouve. Allez, c'est parti, les copains. Hop. La pédocriminalité sur le net est explosive. Le nombre de vidéos et de photos pédopornographiques, pédocriminelles, se multiplient par deux chaque année. Donc en 2014, on en recensait 1 million, on en est maintenant à plus de 70 millions, enfin en 2019, on en était à 70 millions. Et donc chaque année, ça se multiplie par deux. En France, on est le troisième pays au monde en nombre de sites et en nombre d'utilisateurs. J'imagine que les États-Unis sont… Alors, les États-Unis et le Canada sont en premier, alors c'est troisième ou quatrième suivant si on les groupe ou pas. Et le deuxième ou le troisième, c'est les Pays-Bas. En Europe, d'accord. Le premier, c'est les Pays-Bas. Et le troisième, c'est la France. Vous avez une explication à ce sujet? Une piste? Il y a déjà la tolérance et le fait qu'on n'a rien fait pour limiter les nombres de sites pédocriminels. En France, on a une brigade qui s'occupe de la cybercriminalité pédocriminelle. Ils sont 17 personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, en Grande-Bretagne, ils sont 330. Voilà. Des histoires qui viennent d'un autre monde. Et non, pas des histoires qui viennent d'un autre monde, des histoires qui viennent de chez nous. Tu te rends compte quand même, voilà comment est traitée la pédocriminalité ici en France. Tu le vois bien, de toute façon, on a tellement de témoignages de jeunes filles, de jeunes femmes qui se sont fait violer et qui se rendent compte quelques semaines, même pas quelques mois, quelques semaines après les condamnations des personnes qui les ont violées, ces personnes-là se retrouvent libérées. Voilà, on est dans ce pays-là, de ce pays de tordus, hein, et c'est grave. Alors, on va accueillir Gladys. Coucou Gladys. Par contre, il faut que tu ouvres ton micro, Gladys. Sinon, on ne va pas pouvoir t'entendre. Est-ce qu'elle a écrit quelque chose? Non. Je regarde si elle m'a envoyé un texto. Non. Donc, ouais, c'est on... Gladys voyez... m'entend. Pardon? Je suis en contact avec Gladys sur Messenger, mais pour l'instant, elle m'a pas rebipé. Je lui ai envoyé le lien. Donc, elle est là. Donc, je pense qu'elle doit être sur la route. Elle ne devrait pas tarder. D'accord. Okay. Ouais, donc je disais, quand tu vois cette façon qu'ils ont à gérer cette pédocriminalité, mais pas que, hein, les viols de femmes, non seulement ça, mais aussi les violences faites aux femmes. Je vous en parlais encore ce matin. Une femme qui normalement devrait être protégée par les services de police ou de gendarmerie,
avec un mari notoirement connu, une femme qui devrait être surprotégée, et ben, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et ce matin, on a appris qu'elle a été décapitée en pleine rue. Voilà, on vit dans ce pays-là, complètement fou. Alors imagine-toi pour nos mômes. Et tout ça dans une indifférence qui est vraiment terrible, quoi. Vraiment terrible. Donc, ben. Je vois que Zaza a écrit un texte. Ouais. Oui. Vas-y, je t'en prie. Alors, on va aussi parler de ces victimes, hein, les victimes de l'aide sociale à l'enfance. Moi, l'année dernière, je me suis déplacé à Nantes aux assises de l'ASE. Bon, on les a vus ressortir, on n'était pas vraiment rassurés. Hein. On savait très bien qu'il y avait des choses qui étaient en train de se mettre en place avec cette histoire de Covid. Ils ont discuté des violences qui ont été commises intrafamiliales pendant la première période Covid de 2020. Enfin, tout le monde tournait un petit peu la tête, hein, faut pas croire. On a eu affaire à des personnes du service social, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, enfin, toutes ces personnes-là. Très, très peu ont voulu venir discuter avec nous de ces sujets-là. Ils nous fuyaient, hein. Et le peu qui acceptait de discuter, il s'assurait qu'il n'y ait pas de portable, de liveur en route. Voilà, fallait surtout pas se montrer, quoi. Donc tout ça, et je vous le dis franchement, hein, c'est l'avenir de nos gamins. Donc on va se retrouver avec une jeunesse complètement brisée, martyrisée avec tout ce qui s'est passé pendant la période de la noix de coco, mais pas que ça. Hein. Tout ce qui est caché par la justice, parce que imagine-toi, la justice aujourd'hui. C'est un animal qui est complètement malade, malade pour de vrai, hein, qui ne condamne plus, la pédocriminalité comme elle devrait. Hein. On sait très bien vers qui elle s'est tournée, cette justice. On a pu voir ça encore ce week-end. Donc imagine-toi. Hein. Eva. Oui, ben de toute façon, là, je t'écoute. Là, je voulais te le dire tout à l'heure en off. La photo que tu as mise là. En noir et blanc, de cette petite fille. Oui. Elle dit bien, c'est nous qui veulent. Ils veulent vos enfants, ils veulent les enfants, d'une manière ou d'une autre. Et oui. D'accord. Et quand sur le terrain, je traquerai. Donc j'attendais le joueur. Non, ça saccade. Ça saccade. Tu m'entends là? Non. Ça saccade et t'es bloqué. Donc ton image est complètement bloquée et ça saccade. Oh, il y a un bug encore. Ouais. Bah oui. Là, de toute façon, dès qu'on aborde ces sujets-là, hein, c'est terrible. Hein. Bon, bah, du coup, en attendant que les filles reviennent, on va continuer de parler un petit peu. Oui. Alors, toi, Zaza, ouais, vas-y, explique-nous un petit peu quelle est ta prise de parti justement dans ce combat. C'est super intéressant. Alors, ben, merci, Loulou, déjà, de m'avoir invité. Et à Gladys aussi, et de me donner la parole surtout. Et je voudrais dire à toutes les personnes pourquoi je suis là ce soir. Je suis là parce que la pédocriminalité, c'est le cancer des pays du monde entier. C'est le fléau de la vie, je ne peux pas le dire mieux, c'est comme ça que je le pense. Je suis là parce que j'ai été aussi, en tant qu'enfant, victime d'un homme qui avait une profession à l'aide sociale à l'enfance en tant qu'éducateur, qui, avec les années, est passé chef de service de la structure. Cette personne m'a d'abord touchée à l'âge de 5 ans et m'a violée de mes 8 ans à mes 11 ans et demi. Je suis là pour dénoncer ça ce soir parce que la pédocriminalité, elle existe et elle existe partout, dans les institutions, dans les
avec des personnes qui ont une notoriété ou un pouvoir sur vous, en tout cas qui ont un pouvoir de décision aussi, non ? On parle de personnes politiques et ou magistrats, voilà. Et aussi, ben voilà, comme je le disais tout à l'heure, des éducateurs. Après, il y a aussi des adultes X ou Y, parce que ben, les enfants, certains d'entre eux en tout cas, ça a été mon cas, quand ils se font violer dans les foyers, ils essayent de s'échapper. Donc, quand ils arrivent à fuguer, ben, ils se retrouvent à la rue. Puis à la rue, ben, on subit des viols aussi par les adultes de la rue. Et ça existe aussi dans la rue, la pédocriminalité, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup d'enfants à la rue en ce moment qui fuguent, qui sont violés. Voilà. Et ça existe partout. C'est un vrai fléau, quoi. Et voilà, je voulais parler de ça ce soir, témoigner pour ça, en soutien à toutes les personnes qui l'ont vécu ou qui le vivent encore. Et je suis là aussi pour parler dans un sujet tout à l'heure, où on y reviendra, sur les placements abusifs et inversés, puisque j'ai aussi été victime de tout cela. Donc, comme je vous le disais, je suis une ancienne enfant placée. Qui a vécu beaucoup de choses. Je ne vais pas tout détailler ce soir. Mais voilà, en tout cas, j'ai du mal à parler parce que ça me touche et parce que je revis certains traumatismes quand j'en parle. Et c'est important aussi de le dire que même si on apprend à vivre avec, les cicatrices, elles ne se referment pas, en fait. On n'oublie pas, quoi. On n'oublie pas. C'est toujours là. Et on a beau avoir des suivis psy, on a beau avoir, malgré les suivis psy justement et compagnie, eh ben, les cicatrices, elles sont toujours là, toujours, et elles disparaîtront jamais, et les images non plus. Et on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de faire ça à un enfant. Je veux dire, aujourd'hui en France, on va prendre plus de prison pour avoir fait du mal à un animal ou volé un pain parce qu'on a faim que quand on a violé un enfant. Et ça, c'est juste scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux, je suis désolée de le dire. Mais pour moi, les personnes qui violent des enfants, elles doivent être enfermées, soit en psychiatrie parce qu'elles ont été reconnues complètement tarées, soit en prison. Et quand on nous dit à nous, les gens, les victimes ou les parents qui défendent leurs enfants, quand on nous dit qu'on va les mettre sous médicamentation, pour qu'ils ne puissent plus violer. Là, moi, j'ai une affaire dont je vais vous parler vite fait, sans donner de nom, mais par exemple, c'est un monsieur qui est reconnu comme violeur d'enfants, comme agresseur, comme pédocriminel. Et ce monsieur, aujourd'hui, il est dehors. On lui laisse un bracelet et on nous dit qu'on lui a mis une camisole chimique pour pas que il recommence. Mais le problème, c'est que ce monsieur, avec le bracelet, il n'est pas surveillé, hein. Non, il n'est pas surveillé. Hein. Il peut faire le tour de sa maison, il peut choper n'importe quelle petite fille ou petit garçon et continuer, il n'y a rien qui le prouve. Et pire, arrêter son traitement. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il n'y a aucun suivi. Le SPIP suit seulement le bracelet, c'est-à-dire les policiers qui sont chargés de s'occuper de ça, suivent que le bracelet. Ils ne suivent pas la personne ou sa santé, si elle suit bien son traitement, tout ça. Et là aussi, il y a de graves défaillances. Comment on peut laisser une personne qui est reconnue criminelle, pervers, sexuel, criminel, en liberté? Comment tous ceux qui sont potentiellement en suspicion d'agression sexuelle aujourd'hui peuvent être au pouvoir? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi pourquoi ces gens-là, on leur donne le pouvoir de décision, on leur donne le pouvoir de faire du mal à ces enfants. C'est scandaleux. On ne peut pas permettre ça, ni en France, ni dans le monde entier. Il y a des lois qui ont été votées, qui ont été signées par plusieurs pays, hein, énormément de pays, je crois que c'est 49 exactement. 49 pays, me semble-t-il. Excusez-moi, je parle beaucoup, mais c'est parce que j'ai besoin de lâcher ce soir. Vas-y, lâche. Et voilà, et franchement, comment 49 pays peuvent signer des chartes sur la protection de l'enfance, sur la non-violence envers les enfants, et laisser perdurer dans nos gouvernements, dans nos républiques, dans nos institutions, dans nos tout ce que vous voulez, ces viols sur mineurs. C'est inimaginable, c'est impensable. Et s'il y a bien une chose qui doit être condamnée sévèrement et à perpétuité, c'est bien le viol sur enfants et la pédocriminalité.
et bien sûr les meurtres d'enfants qui s'en suivent pour certains. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans tout ça, il y a des enfants qui meurent parce que c'est douloureux de se faire violer, c'est douloureux d'être battu. Et il y a des enfants qui ne le supportent pas et qui ne le supportent plus et qui en meurent parce que c'est des graves sévices. Là, on ne parle pas seulement d'une petite fessée parce que tu étais en colère. Là, on parle de choses horribles et innommables. Je n'ai même pas les mots, je ne peux même pas vous les décrire parce qu'il faut le voir, il faut le vivre pour le croire et pour le comprendre. Seulement moi, mon boulot ce soir envers vous tous, auditeurs, c'est de vous faire entendre que ça existe. Qu'à l'heure où je vous parle, il y a des enfants qui sont en train de mourir ou de se faire violer et qu'il faut qu'on stoppe tout ça. On doit stopper tout ça. Et les enfants de foyer, ce sont les premières cibles, les réseaux de prostitution. Ils viennent chercher les petites filles placées. Ils ne vont pas chercher les petites filles de bonne famille. Voilà, excusez-moi de parler comme ça, mais je voulais dire tout ça ce soir sur la pédocriminalité parce que je veux vraiment faire prendre conscience aux gens qu'on ne touche pas un enfant, on ne touche pas un animal et on ne touche pas un innocent. Et si vous êtes un criminel, eh bien votre place, elle est en prison ou en psychiatrie et à tout jamais. Moi, je ne suis pas pour la peine de mort, mais pour ces gens-là, oui, oui, oui. Et encore, la mort, elle n'effacera pas les blessures qu'il a laissées à l'enfant. Et un enfant, quand il a vécu tout ça, il a beaucoup, beaucoup de mal à se reconstruire. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans et je ne suis pas reconstruite. Je vis encore avec ces douleurs. Je vis encore avec ces images. Et même si je fais un gros travail sur moi-même, et même si je continue à vivre malgré cette souffrance, on ne peut pas l'effacer. Et plus on la vit, et plus la reconstruction va être difficile. Alors, c'est maintenant. Et maintenant, tout de suite, à l'heure où je vous parle, qu'il faut que tout le monde, professionnel, parent, prof, éduque, qui que vous soyez, même si vous n'êtes pas parent et que vous aimez les enfants, mais mobilisez-vous et dites à l'État, stop, ça suffit. Stop, stop. Les crimes sexuels et pervers sur les enfants doivent s'arrêter et être condamnés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir sur ça, Loulou. Merci pour ton témoignage. Merci pour ton témoignage. Et tu sais, merci Zaza pour ton courage. Je me retrouve dans beaucoup de choses que tu as dit par rapport au foyer, les violences qui sont dans les foyers par les éducateurs, par les grands aussi, hein, parce que tu sais, tu as des grands avec des tout petits et des choses qui sont assez horribles qui se passent. Les éducateurs, les directeurs, les assistantes sociales tournent les yeux, ne regardent pas parce que c'est... Voilà, c'est comme ils disent, il ne faut pas trop parler parce que la vérité dérange, ils te le disent. Hein, et puis, dès que tu commences à poser des questions, généralement, tu prends des tartes derrière la tête ou alors tu es emmené en psychiatrie. Hein, ça arrive. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans les foyers. Alors, moi, je le dis assez régulièrement, il y a une étude de 2015 qui avait été faite, hein, une étude sur toute la planète France au niveau des familles. Il faut quand même savoir que on était en 2015, on n'était pas en 1815. Hein, tu vois ce que je veux dire? En 2015, 70% des foyers, donc des familles, étaient maltraitantes avec leurs enfants à plus ou moins de degrés. Hein, on ne va pas dire que 70% des familles sont pédophiles. Hein, ce n'est pas de ça qu'on parle. Hein. Non, vraiment maltraitante avec leurs enfants à plus ou moins de degrés. Et ça, c'est assez significatif de ce qui se passe dans notre société à l'heure actuelle avec tout ce qu'on dénonce tous les jours, hein, les copains. Donc, voilà. Merci Zaza pour ton courage, hein, et de nous avoir témoigné avec ton cœur ouvert. Bravo, bravo pour ça, bravo pour ton courage. Et je t'envoie plein de force parce que tu sais, tu nous as envoyé un message en disant. On vit avec tout ça, on essaye de se réparer, mais ces blessures ne se referment jamais. C'est vrai, tu as raison, ça se referme jamais. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que ce qu'on est aujourd'hui, hein, des combattants, et on n'a pas envie que… Parce que tu le sais, hein, je vais te dire un truc
que tu as aussi dans ta tête et dans ton cœur. Quand on voit des enfants, on les voit comme, comme nos petits frères ou nos petites sœurs. On a vécu dans les foyers, donc forcément, voilà, c'est, on est une grande famille. Et on n'a pas envie de les voir souffrir, on n'a pas envie de, qu'ils subissent ce qu'on a subi. Et c'est pour ça qu'on est animé tous les jours pour les défendre, les dénoncer non seulement ce qui nous est arrivé, mais aussi ce qui peut leur arriver et ce qui leur arrive. Et voilà, je peux que te comprendre. Merci Zaza. Merci. Merci à vous. Et après, oui. Tout à l'heure, je parlerai aussi, je témoignerai, mais pour l'autre cause, pour les placements abusifs et inversés, tout à l'heure. Ok. Alors, ce soir, on est là aussi pour parler de quelques moments. Hein. Il y en a beaucoup, hein. Je dis quelques, mais en réalité, beaucoup. On va parler de Sandrine. Sandrine, qui est une femme courageuse hein, de ménage, qui passe la totalité de son temps libre à aider les autres et qui est depuis décembre 2018. Elle a rassemblé 380 dossiers de placement présumé abusif. D'accord, les copains? Donc, comme d'habitude, hein, on est dans cette veine-là, on ne changera pas. Dans le pourquoi pas, écoutons le témoignage de Sandrine qui dénonce tout ça. Et j'ai envie que, particulièrement ce soir, que ça dérange vraiment ces enfoirés de satanistes pédophiles. Vraiment que ça vous dérange. Ça a déjà bien commencé, on va dire. Mais que ça vous dérange bien. Allez, c'est parti. Je me rappelle Nicole, ma fille a été enlevée par deux gendarmes et trois éducatrices le 3 juillet 2018, brutalement. Hein. Tout ça pour une fusion. Donc, soi-disant, je ne tournais pas ma fille vers l'extérieur alors qu'elle faisait un cursus musical et du cirque. Également, on m'a reproché injustement de l'avoir déscolarisée, ce qui est totalement faux puisqu'elle était bien inscrite en 6e. Les gens de mon village indignés ont monté une association qui s'appelle Pour le bonheur de Marine, ont apporté des attestations pour justifier de ma bienveillance et d'incompréhension de ce placement, ce qui n'a rien changé. Ma fille pleurait, voulait rentrer et donc on a délité ce lien. Elle a eu le droit d'avoir 13h45 de repère maternel en plus de 4 ans de placement. Aujourd'hui, ma fille n'est pas scolarisée, n'est pas sociabilisée, est en grande souffrance affective et sociale. Voilà, je me fais beaucoup de soucis pour elle. Il voulait que je touche son zizi. Il m'a mis le zizi dans le trou des fesses. Très, très, très mal. Bon, j'attends toujours le classement sans suite écrit, puisque je n'ai eu à ce jour qu'un simple coup de fil. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Malheureusement, la justice protège les pédophiles. Et malheureusement, aujourd'hui, on a un ministre qui les libère. Bref, j'en dirai pas plus. Oui. J'ai pu écouter ce matin une intervention de Dupond-Moretti hein, qui parlait d'indépendance de la justice, enfin tout ça, une grande mascarade. Une grande mascarade. Eva ? Oui, oui, après le témoignage de Zaza, voilà, j'ai plein de choses qui me passent par la tête. On pourrait dire tellement de choses qu'on se retrouve presque sans voix, quoi, en fait. Hein. Et pourtant, voilà, l'opportunité est là, il faut parler, il faut s'exprimer, il faut dénoncer au maximum. Moi, dans mon travail que j'ai fait, dans mes recherches et dans le chemin que j'ai pris, c'est vrai que quand je tractais sur le terrain en mars 2021 devant le tribunal de Nîmes, là, coincé entre les arènes, hein, et le tribunal, c'est des longs moments d'attente, hein, parce qu'on est là pour ça. Mais c'est vrai qu'on a le temps de réfléchir, hein. On a plein de choses qui passent par la tête, et c'est vrai que j'avais dans le dos le tribunal, devant moi les arènes de Nîmes,
C'est vraiment de l'autre côté de la route, hein, pour pas faire plus proche. Et voilà, on fantasme presque. Hein, et je regardais ces arènes et j'ai dit, mais en fait, c'est des mises à mort totales de l'enfance, de l'enfant, hein, donc être, hein, puisqu'ils s'en servent d'objets. C'est la destruction des familles. Le temps des Romains, il est là, quoi. C'est un truc de fou, quoi, en fait. Et quand je tractais, que j'essayais de rentrer en interaction avec les gens, combien de fois on est transparent, hein, c'est-à-dire que même le son de la voix, ils ne m'entendent pas, ils n'ont pas le temps, hein, ils prennent beaucoup le bus, hein, c'est impressionnant ce que les gens prennent le bus ou le train, au choix, voilà. Parce que les gens courent, hein, ils ne vivent plus, ils courent après leur pendule. Et le peu de contacts que j'ai pu avoir, je ne citerai pas tous, hein, j'ai pas une mémoire d'éléphant non plus, mais c'est vrai que j'ai pu à un moment donné enclencher un positionnement, hein, sans trop les effrayer, c'était pas le but, voilà, mais de leur dire attention, vous croyez que c'est loin, hein, comme dans Shrek, hein, far far away. Mais en fait, c'est pas si loin que ça. Voilà. Et donc, j'aimerais souvent avoir tort. Hein. Malheureusement, mon intuition va dire que, comme tout à chacun, c'est la meilleure des connaissances. Hein, ça, c'est une vérité. Eh bien, oui, les placements abusifs touchent. Il y a un raccourci qui est fait de par cette pandémie, parce que j'ai quand même expliqué mon raisonnement. Hein, j'ai pas dit juste... non, mais c'est pas si loin, ça peut vous arriver à vous, comme ça, histoire de faire genre... Non. Je leur ai vraiment concrètement expliqué que la pandémie, hein, il n'y aurait pas pour longtemps à attendre que les enfants, on allait aller les chercher. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous avez des témoignages qu'on voit pas sur les réseaux, mais c'est une réalité. Maintenant, quand vous mettez votre enfant en IUF, il y a un inspecteur qui passe, une inspectrice, et qui dit, eh bien, je fais un signalement, et du coup, ils viennent chercher vos enfants. Voilà. C'est vrai. C'est tout. Normalement, on profitait jusqu'à présent de parents qui se séparent, hein, comme tout couple qui se sépare, hein, qui viennent vite ici pour me dire qu'ils se séparent et que on sait se séparer bien dans le calme, sans heurts, sans problème. Voilà, bon, ça c'est normal. Hein. Donc un couple qui se sépare, c'est compliqué. Quand il y a des enfants au milieu, c'est compliqué. Voilà. Donc jusqu'à présent, ils profitaient de ça. Mais au jour d'aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin de cet argument. Aujourd'hui, ils peuvent envoyer 3 quarts de police, 3 voitures, des gendarmes, comme vous voulez, et venir chercher vos enfants. Voilà. Pour surprotection. Voilà. Depuis quand des parents surprotègent leurs enfants, hein, comme le cas de Sandrine Boll, par exemple. Voilà. Mais là, c'est une réalité. Alors, nous, on pousse dans la résistance à dire, hein, je fais partie de Maman Lou, etc. Et avec Nelly, bref, on parle de l'UF, j'ai vendu l'UF à tout va. Hein, prenez vos enfants, sortez de l'école pour qu'ils leur apprennent en plus. Hein, vraiment, ils ne bouffent rien du tout, quoi. Et ils verront leurs copains, ils auront d'autres copains. Voilà, bref, j'ai vendu ce truc et je suis arrivée. Mon premier cas, c'était au mois de juin, un réalisateur, hein, Jack, j'ai oublié le reste de son nom. Il a fait une vidéo, mais il m'a fendu le cœur, quoi. Voilà, ils ont pris leur gamine de 10 ans et de 14 ans. Voilà, juste pour un contrôle d'enseignement à la maison. Voilà, ils ont jugé qu'ils étaient surprotégés. Voilà. Et comment ils font? Ah, Gladys, tu as réussi. Coucou Gladys. Alléluia. Super. Alors, on t'écoute, Gladys, déjà, bonsoir.
Bienvenue dans l'émission. Oui, hein. Bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir. Un petit peu laborieux, mais on y arrive. Donc, du coup, pour me présenter, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman, moi, d'une fille qui est née en 2015. Ça fait aujourd'hui, ça fait maintenant 4 ans, hein, que je me bats pour protéger ma fille, puisque j'étais séparée de son père biologique quand ma fille m'a fait des révélations d'inceste. Donc du coup, dès le lendemain, j'ai porté plainte. Et donc, s'en est suivi tout un combat, des procédures judiciaires et des dysfonctionnements institutionnels. Jusqu'à m'apercevoir que de toute façon, je n'étais pas un cas isolé, malheureusement, puisqu'on est de nombreuses mamans à être victimes et ne pas être prises au sérieux et avoir du mal à protéger nos enfants. Voilà, donc, moi, je ne sais pas si vous avez passé la vidéo de mon histoire, mais voilà, j'ai... Non, pas encore. Voilà. T'attendais. Ok. Donc, aujourd'hui, je vous remercie de me donner la parole et de la visibilité, parce qu'après, comme beaucoup de mamans où ils ont essayé de m'intimider, de me menacer, de me faire taire, hein, parce que j'ai quand même fait 6 mois de prison ferme, donc en détention provisoire, c'est-à-dire avant tout jugement. Voilà, tout simplement parce que j'avais voulu protéger ma fille, c'est-à-dire que j'ai refusé de la rendre à son père biologique qui avait conservé des droits, puisque bien sûr mon dossier avait été classé sans suite. Voilà. Donc voilà aujourd'hui pourquoi je veux témoigner, parce que c'est important, il me semble, d'informer les problèmes que nous avons en France sur... la justice, puisqu'il y a une totale impunité sur la pédocriminalité. Et au contraire, nous, les mamans protectrices, nous ne sommes pas du tout prises au sérieux et nos enfants sont ou placés suite aux révélations d'inceste ou alors donnés au père biologique. Et donc je perds mes mots avec tout ça, du coup. Donc, c'est pour ça que je souhaite dénoncer les problèmes institutionnels que nous avons en France. Voilà, parce que j'avais le choix de me morfondre, hein, parce que aujourd'hui, je vous en parle un petit peu avec une hargne et une certaine révolte. Mais voilà, je vous cache pas que, comme toutes les mamans qui se connaîtront, hein, ça nous prend les tripes, ça nous déchire, ça nous détruit. Enfin, ça nous met. Voilà, c'est quand ma fille, moi, m'a révélé ses incestes, la terre s'est effondrée sous moi. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que ce n'était que le début du cauchemar, parce que c'est pire parce que je me retrouve face à un système. Voilà. Donc voilà aujourd'hui pourquoi je suis là pour témoigner, pourquoi je veux qu'on arrête de nous faire taire et je veux soutenir les mamans qui sont comme moi, parce qu'on est malgré tout isolés, seuls, intimidés et puis pour nos enfants, pour nos enfants, parce que je le fais bien sûr pour ma fille. Mais je le fais aussi pour tous les enfants qui sont doublement punis d'avoir osé parler. Voilà. Bravo Gladys, bravo. Alors tu sais, moi j'étais à Montpellier il y a un peu plus d'un an. Hein, on est à peu près 80 personnes mobilisées justement pour dénoncer tous ces abus de l'ASE, tous ces abus... de la justice, enfin les abus, on ne sait pas si c'est abusé dans le sens de rien faire ou d'être dans une espèce de complicité institutionnelle de remettre les enfants à leur bourreau. Et une maman vient avec son nouveau conjoint, ne savait pas qu'on était là pour manifester, pour témoigner de tout ça, et spontanément s'approche de nous et nous fait... un récit qui était glaçant, et moi je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Cette maman nous raconte que le mari violent duquel elle s'était séparée, le père de ses enfants, écarté de la famille, la justice remet le couvert parce que lui a demandé à la justice de remettre le couvert.
viennent, lui enlèvent ses enfants, les remettent dans les mains du papa biologique. Et le papa biologique, jaloux, furieux, a tué les deux enfants. J'étais là. C'est ça la réalité de ce qu'on vit, cette justice qui n'est pas juste, hein, qui a juste un nom qui ne lui appartient pas. Malheureusement, voilà dans quel pays on vit. C'est triste, mais c'est la réalité. Et quand tu entends ce genre de témoignage, quand j'entends ton témoignage, j'ai beaucoup de témoignages dans ce sens-là, c'est un truc de fou, quoi. On ne peut pas se taire, on ne peut pas détourner le regard. Si on le fait, on ne peut pas le faire bien longtemps. Hein. Faut vraiment montrer tout ça. Vraiment montrer tout ça. En tout cas, bravo Gladys. Alors, on va regarder cette petite capsule vidéo pour que les gens puissent un petit peu comprendre quel est ton combat. Et vous allez voir les copains, bon, bah, on va vous montrer un petit peu tout ça. Allez, à tout de suite. Et si c'était vous? Eh oui. J'imagine que ta vie est devenue un enfer du jour au lendemain. Hein. Parce que, bon, tu sais, souvent on associe tout ce monde d'institutions de placement d'enfants
à un monde décadent, à un monde sans moralité, un monde violent. Tu n'es pas de cette veine-là, hein. On le comprend bien, on le voit bien. Donc, j'imagine que toi, ta vie a dû être brisée comme ça du jour au lendemain et c'est pas normal. Oui, c'est ça, tu as raison. C'est important d'en parler parce que on pense, hein, parce que tant qu'on n'a pas affaire à la justice ou à la protection de l'enfance, on nous fait croire à de belles choses. Et donc, c'est vrai qu'on se dit, un enfant qui est placé, c'est pas anodin, il doit y avoir un petit problème. Quand moi, j'ai parlé d'inceste, on ne m'a pas prise au sérieux, mais même dans mon entourage, c'est très difficile d'entendre ça tellement que c'est douloureux. Et c'est vrai que du jour au lendemain, on se prend une baffe dans la figure, mais ce n'est pas que ça, c'est la vie change, mais avec tous les dommages collatéraux qu'il y a autour, hein, parce que ce soit mes parents, que ce soit mes grands-parents, que ce soit mon mari, que ce soit mes amis, ma cousine, on est tous inquiets pour cette petite. On a tous des problèmes de santé. On ne vit que par ça. Moi, j'étais commerciale dans les assurances. Voilà, j'étais indépendante, j'étais autonome, je gagnais bien ma vie, je me suffisais financièrement. Aujourd'hui, je ne travaille plus. J'avais quitté la France, hein, comme vous avez pu le voir, puisque je n'étais pas prise au sérieux. Donc pour protéger ma fille. Donc, tu quittes tout, tu quittes ton environnement, tu quittes tes amis, tu quittes ton travail. Et là, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que ça dure et que je passe ma vie sur les réseaux sociaux, hein, pas par plaisir, moi, de raconter ma vie parce que j'ai une belle vie. Non, justement, parce que c'est important de dire, parce que je me suis dit, mais mince, une maman qui apprend le viol de son enfant, elle fait quoi ? On fait quoi aujourd'hui ? Je suis en lien avec des députés, avec des sénateurs depuis 4 ans. Voilà, il y a un moment, il y a un gros problème gouvernemental aussi. C'est pareil, il y a Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Je l'ai contacté aussi. Je l'ai contacté à plusieurs reprises. Hein, même en prison, je l'ai contacté. Il y a personne qui parle. Et puis alors, je ne vous parle pas des censures, hein, parce que pourquoi, grâce à vous, je peux en parler, parce que bah, sinon, tous les rédacteurs des chaînes télévisées nous ferment la porte. Hein. Quand on parle de placement abusif ou de pédocriminalité, ça dérange. Et puis les censures, je les ai connues même avec mes profils sur les réseaux sociaux. On nous censure, on nous coupe tout, on nous interdit de parler. C'est ce que je vous dis, c'est une oppression, en fait, une oppression permanente. La pression par l'invisibilité, en fait. On essaie d'écraser une réalité dérangeante. Exactement. Et puis dans tous les domaines, hein, parce que quand ça a commencé, c'est ce que je vous disais, je n'ai pas été prise au sérieux déjà quand j'ai porté plainte, donc par les gendarmes. Mais après, on a des difficultés avec les avocats, après avec les magistrats, après avec les élus. Et puis après avec les médias. Donc c'est vraiment un gros souci. Et si je suis là pour en parler, parce que je peux témoigner, parce que malheureusement je le vis et je sais ce que c'est. Mais c'est surtout pour aider toutes ces mamans qui vivent la même chose et qui n'osent pas parler. Et puis notamment Eva m'avait proposé de faire cette émission parce que je suis en train donc de soutenir une maman qui, comme moi, est incarcérée actuellement et qui va être qui aura un procès le 16 septembre à Toulon pour soustraction d'enfants, comme moi. C'est-à-dire que on met une maman bienveillante en prison et puis on la juge après. Mais autant dire qu'on la condamne déjà, parce que de toute façon, il n'y a pas de présomption d'innocence, parce qu'on a déjà une privation de liberté. Mais cette maman, comme moi, c'est pas une cas sociale, c'est un capitaine d'armée. Hein, donc c'est quand même quelqu'un
d'intelligent, hein, voilà, de stable, qui a mis sa vie, comme toutes nous, comme toutes les mamans protectrices, de côté. Elle, elle a quitté le pays il y a 11 ans. Oui, pardon, Eva. Juste à savoir si tu peux mettre en pause, s'il te plaît, Lelou. Tu nous fais penser justement, là, en t'écoutant attentivement. Oui. Pardon, j'ai oublié son nom. Je promets. Priscilla? Non, pas ce cas-là. Pardon. Ça me fait rappeler, il y a quelques temps, une capitaine de gendarmerie, oui. Je crois, ah une capitaine à Montpellier. C'est immolé. Oui. C'est parce ça. Qu'on lui a menacé oui. D'enlever ses enfants, je crois, un petit bout de chou de 6 ans. Elle n'a pas supporté. Voilà, donc voilà la peine pour l'enfant et voilà ce qui peut en résulter quand même. Hein. C'est juste tragique, quoi. C'est innommable. C'est bien de relever parce que là, on parle de ces mamans qui se. Oui, pardon, Loulou. Hein. Non, non, t'inquiète pas. Je m'inquiète pour Gladys parce que là, elle a figé. Je pense qu'elle a dû avoir une rupture de. Alors, peut-être qu'elle aurait trouvé sa caméra pour optimiser le son, peut-être. Oui. Je sais que ça fonctionne. Si tu nous entends, coupe ta caméra, Gladys, et ça va optimiser le son. Je deviens technicienne, moi. Alors. En attendant que Gladys récupère oui. Justement le. Sinon, tu descends et tu remontes, Gladys. Tu sors et tu reviens. Donc, je disais, alors, excusez-moi les copains, le temps que Gladys récupère justement le fil de la liaison, on va regarder justement cette petite capsule de Priscilla. Voilà, Priscilla Maggiani. Hein. Et écoutez, voilà, les personnes qui sont sur le secteur de Toulon, aux alentours, hein, si vous pouvez vous mobiliser au moins pour quelque chose, voilà, ce serait pas mal. Allez, c'est parti, je vous envoie ça. Je tiens particulièrement à rappeler que le 16 septembre aura lieu le procès du capitaine d'armée Priscilla Maggiani à Toulon dès 8h30. En effet, je soutiens entièrement cette maman qui a eu le courage il y a 11 ans de quitter le pays pour protéger sa fille de 5 ans à l'époque, Camille Chauvet, puisqu'une garde alternée avait été imposée. Je vois qu'elle a un anus complètement dilaté et avec plein de micro-fissures. Sachant d'après elle que ce géniteur accusé d'inceste est franc-maçon. Vous savez, votre mari, il a beaucoup de relations. Ces relations. De ces cercles de franc-maçonnerie auxquels il participait. Il est franc-maçon. Il ne s'en cachait pas, il était même très fier d'en appartenir. Aujourd'hui, ça fait plus d'un mois qu'elle est en prison au Beaumet pour soustraction d'enfants. J'espère donc que nous serons nombreux à la soutenir vendredi prochain à son procès et pour lutter contre la pédocriminalité. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, d'autres rassemblements sont prévus devant tous les tribunaux de France. Sachez également qu'il y aura des nouvelles du procès sur le canal Telegram, je défends mon enfant. C'est très 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 mal. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Dans l'affaire Doutreau, il n'y a pas eu un signalement de la part des médecins alors que les gosses étaient hospitalisés. Dans l'affaire Doutreau, il n'y a pas eu un signalement de la part des médecins alors que les gosses étaient hospitalisés. Un gars qui mettait son doigt dans son cul et qui me le mettait dans la bouche après. Voilà. Donc c'est un gars qui savait exactement ce qui se passait à la maison. Moi, j'ai été hospitalisé 17 fois hein, entre l'âge de 0 à 1 an, dont 3 infections épididymiques. C'est une infection d'épididyme, hein, c'est une infection de testicule qui m'a valu l'ablation à moins de 2 ans d'une partie du testicule gauche. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.
voilà, quel commentaire faire. J'ai beau le revoir, je l'ai revu plusieurs fois pour me préparer ce soir. Moi, c'est normal, je voudrais revenir sur la soustraction de mineurs par rapport à cette maman et puis à d'autres mamans qui l'ont vécu aussi, mais là, je vais rester sur cette maman. Quoi de plus bel acte courageux que de partir avec son enfant pour le violer, pour le sauver d'un violeur, d'un agresseur? C'est un acte courageux, c'est un acte noble et merveilleux ce qu'elle a fait, cette maman. Et si les magistrats qui vont la juger ces jours-ci entendent ce live, j'aimerais leur dire cela. Si c'était votre fille, votre petite sœur, votre cousine, votre voisine, qui était à la place de la fille de cette maman, qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait? En sachant que la justice allait donner votre enfant à son agresseur, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous fui? Auriez-vous laissé faire? Ou l'aurez carrément vous donné? Voilà, c'est la question que j'ai envie de leur poser moi personnellement. Et je soutiens vraiment toutes ces mamans. Et pour la soustraction de mineurs qui fait partie des placements abusifs, j'en reparlerai après. Recoucou Gladys. Voilà, veuillez m'excuser. Me revoilà. J'étais en train de vous expliquer un petit peu l'histoire de Priscilla, voilà, tout simplement pour rendre les mamans protectrices crédibles, hein, parce que quand je disais que nous ne sommes pas des cas isolés, on a toutes, d'après eux, le même profil. On est toutes des menteuses, des folles, des personnes vénales, enfin, on est des manipulatrices, alors que voilà, là, c'est l'exemple avec ce capitaine d'armée, hein, qui est loin d'être tout ça, bien au contraire, et qui, elle, a fui pendant 11 ans. Donc, quand je dis qu'on met notre vie de côté, c'est vraiment ça, quoi. Parce que quel stress, j'imagine, de vivre 11 ans cachés pour avec toujours cette épée Damoclès de dire, mince, qu'est-ce qui se passe si on nous trouve avec ma fille? Alors aujourd'hui, maintenant, sa fille a 16 ans, donc je pense qu'elle a fait le plus gros, elle l'a bien protégée. Et c'est pour ça que je tenais à la soutenir, parce que je trouve que c'est inhumain de mettre, quand on sait qu'il y a des criminels qui ne vont pas en prison, je trouve que c'est inadmissible de mettre des mamans en prison avant tout jugement. Voilà, pour nous faire taire, pour nous presser, pour nous manipuler. Et ça, c'est quelque chose que je n'accepterai pas. Voilà. Alors, je suis loin d'être complotiste, hein, parce que les magistrats, justement, les droits de ma fille, hein, parce qu'il y a quand même les droits des enfants, qui me violent des droits de mon enfant. Donc, voilà, c'est simplement ce que je défends. Et tout à l'heure, Loulou, quand tu parlais de Montpellier, ben, c'est pareil, il y avait Fanny Birnbaum, je ne sais pas si vous connaissez cette maman, qui avait une fille de 16 aussi sur les réseaux sociaux, malheureusement, parce qu'elle, comme moi, elle informait qu'elle était en panique, hein, parce que son enfant était violé et qu'on ne la croyait pas. Et donc, comme j'étais en lien avec elle, moi, je la défendais, hein, je la croyais. Quand j'étais en prison, tenez-vous bien, quand j'étais en prison, une escorte est venue me chercher de prison pour m'interroger sur Fanny Birnbaum, parce qu'elle avait fui elle aussi, et donc il l'a recherchée. Bon, c'est 4 ans que j'étais en prison. Donc, comme je leur ai dit, je dis, bah, dis donc, vous déployez des moyens énormes. Hein. Je dis, parce que là, je suis en prison. Donc, si vous vouliez m'interroger, c'était facile. Pas besoin de venir me chercher, parce que moi, j'étais en maison d'arrêt à Bonneville, dans le 74, en Haute-Savoie. Et une escorte de 3 personnes, plus la voiture, m'ont descendu à Montpellier pour me mettre en garde à vue. Hein. Donc, on est bien d'accord. C'est toujours une oppression, parce que on nous fait peur. Mais bon. J'avais pas assez de la prison, il fallait encore qu'ils me mettent en garde à vue.
Voilà, parce qu'il l'a recherché. Donc, je lui dis, bon, ben, j'imagine que d'après votre enquête, vous devez bien voir que ce n'est pas moi qui sais où elle est ou quoi que ce soit. Mais comme j'avais été en contact avec elle pendant sa fuite, et ben, ils m'ont mis un mois en détention provisoire, 4 mois de bracelet. Donc, j'ai fait 5 mois de privation de liberté pour cette maman que je défends. D'ailleurs, je l'embrasse si elle voit mon message. Et aujourd'hui, ça fait donc, je suis sous contrôle judiciaire parce qu'il y a une instruction pour elle, donc parce qu'ils l'ont retrouvée. Ils ont bien sûr récupéré l'enfant qu'ils ont mis chez le père supposé violeur incestueux quand même. Et moi, je dois signer toutes les semaines en gendarmerie. Voilà, parce que je suis sous contrôle judiciaire. On est des grands terroristes, tout simplement parce qu'on ose dire que qu'on croit nos enfants et qu'on ne va pas en rester là. C'est horrible, c'est horrible. Donc j'ai aidé Fanny, j'ai aidé ma fille bien sûr. Là j'aide Priscilla, donc je ne sais pas ce qui va quel va être mon devenir, hein, parce que je pense que ça ne va pas plaire que je continue de parler. Mais voilà, je tiens à préciser que oui, je ne suis ni suicidaire ni déprimée, donc je me tuerai pas. Hein. S'il arrive quelque chose, parce que je, avec cette intimidation et cette oppression, voilà, je vous cache pas qu'on n'est pas à l'abri de menaces, hein, de faux accidents. Donc, je tiens à en parler parce que parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Je salue ta lucidité, vraiment, Gladys. Voilà. En tout cas, effectivement, à travers ton récit, tes détails à toi, c'est vrai que pour cette maman Priscilla, la chose, j'ai patienté d'être ensemble là, tous réunis en direct pour te poser cette question. Mais comment on peut se dire quel acharnement que même au bout de 11 ans, ils sont allés la trouver, la chercher et qu'elle se retrouve maintenant encore là, sous ça, quoi. En fait, c'est tellement énorme, en fait. Moi, je rêverais vendredi de rentrer. Mais c'est ça. Et de leur dire, putain, mais arrêtez, quoi, ça suffit des Il y a une chose, il y a une chose. L'inversion du monde dans lequel on est, c'est-à-dire que la vérité devient un délit. La protection des enfants devient le crime parfait. Mais c'est tellement énorme que mais comment, mais enfin, pourtant j'ai du bagou, hein, j'ai peur de rien, je parle plusieurs langues, etc. Mais face à ça, mais je reste complètement bouche bée, le cul par terre, à juste vouloir envie de. Voilà, comme cet enfant que j'ai en photo, là, stop, quoi. Voilà, stop, je tape le poing sur la table, ça suffit les bêtises, quoi. C'est bon. Stop. Le problème, c'est que, comme tu dis, comment c'est possible, hein, parce que évidemment, il y a un moment, on nous dit qu'on ment, qu'on manipule. Oui, quand ça dure, et puis quand on fait de la prison, et puis quand on part 11 ans, il y a un moment, pensez-vous réellement que c'est juste pour le plaisir, non, hein, voilà. Mais le problème, c'est que j'ai appris dans le dossier de Priscilla que ce père biologique est franc-maçon. Alors moi, je ne connaissais pas, hein, il y a 4 ans de ça, je ne connaissais ni la pédocriminalité, ni les placements abusifs, et encore moins la franc-maçonnerie, hein. Mais j'en parle pour les personnes qui sont curieuses et qui veulent aller voir plus loin. Donc, cet homme est franc-maçon, c'est un grand pouvoir qu'ils ont. Et en plus de ça, j'ai également lu, et y a eu confirmation, hein, je suis allée me renseigner, il était pilote aérien et donc il travaillait pour Kouchner. Donc vous voyez la position pour Kouchner. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah ouais, donc
En plus, le problème, c'est ça, c'est que dans la pédocriminalité, moi, je n'y connais rien sur le père biologique de ma fille, je ne sais pas, mais je me pose réellement des questions parce qu'il doit être bien aidé pour en arriver jusque-là, il a une bonne situation. Mais moi, voilà, j'étais pas là-dedans, je pensais que c'était simplement un père incestueux. Non, là, je me rends compte qu'il y a des réseaux pédocriminels parce que c'est une traite d'enfants, hein. C'est un trafic d'enfants comme les trafics d'organes. Il y a une franc-maçonnerie, il y a tout un réseau gouvernemental qui gère ça. J'ai même appris avec l'histoire de Semrine et d'Amoris qu'il y avait des programmes MK. Et justement, Loulou, tu parlais de Montpellier, mais il y a la maman de Linda, justement, qui pareil, elle fait du bruit, hein, avec Alexandre Larré pour dénoncer, pour faire tomber justement les réseaux pédocriminels de Montpellier, où il y a quand même des magistrats et des préfets là-bas. Et il y a tout un programme MK. Donc, en fait, on arrive, nous, maman innocente, là-dedans, en disant, ben, on croit en la justice, on va porter plainte. Et ben moi, ça fait 4 ans que plus je me mets dedans et plus j'apprends des choses horribles, horribles, comme l'affaire Epstein, hein, comme ce que dénonce Trump en Amérique, hein, tous ces enfants qui sont. Mais c'est affolant. C'est affolant parce qu'en fait, on est là, mais on est impuissant face à tout ce réseau. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'en parler, d'informer et de se réunir. Voilà. Bravo. Et j'insiste. Bravo. C'est très bien. Bravo, ce que tu dis, justement, il faut vraiment que les langues se libèrent. Je vous le dis, hein, il faut vraiment que les langues se libèrent. Dénoncer, c'est pas tout, c'est pas simple, c'est pas une finalité en soi, comme vous l'avez expliqué, Gladys. Derrière, ta vie peut être complètement détruite, hein, c'est un rouleau compresseur parce qu'ils sont organisés. C'est une mafia satanique. On les connaît, on sait qui ils sont. Donc, il faut s'unir. Il ne faut jamais agir seul, que ce soit par rapport au placement abusif, que ce soit aussi les jugements ou les tentatives de jugement des mamans qui sont totalement légitimes. Jamais agir tout seul. Je vous le dis à chaque fois, les personnes qui sont dans le domaine soignant, éducatif, les pompiers, les gendarmes aussi, hein, parce qu'il ne faut pas croire, il y a beaucoup de gendarmes qui y en a, ils travaillent à l'heure actuelle sans solde depuis un an. Je vous le dis, hein, ils sont là tous les jours sur le terrain, ils touchent zéro parce qu'ils refusent de se faire vacciner. Et pour autant, ils se font des fois insulter par des personnes qui sont non-vax, sans savoir que cette personne, justement, est dans la même mouvance. Donc, voilà, tout ça, il ne faut jamais agir seul. Il faut toujours… moi, je prône l'union, et ce n'est pas pour rien que je la prône, l'union, parce que si on est ensemble, on est fort. Voilà. Par contre, si tu es tout seul, tu es foutu. Donc, tu es fort dans le sens où concrètement, moi, je l'ai vécu sur le terrain, il ne faut pas non plus du monde, genre des millions, il ne faut pas fantasmer non plus. Mais tu es fort dans le sens où si tu es dans une cohésion, hein, je l'ai vu sur le terrain, eh bien, le regard de l'autre, hein, dans cette société, eh bien, tu deviens crédible. Oui. Même si ça leur fait peur quelque part, tu deviens crédible. Mais seul, moi je l'ai fait seul, mais tu braques de l'air en fait. Hein, ok, tu t'endors, tu dis, ben moi j'ai fait quelque chose. Oui, ok, c'est bien, tu peux te caresser le nombril. Ah, il n'y a pas de souci. Mais après, techniquement parlant, au sens de l'efficacité, ça ne sert à rien en fait. Hein, ok, tu te fais plaisir à toi. Mais c'est vrai que dès qu'on devient même 80, 100, tu vois, d'un seul coup, le regard des autres dit, ah ouais, quand même, un petit peu là quand même, tu vois. Et du coup, tout de suite, ça, l'écoute, même s'ils passent, ils ne te regardent pas, ils entendent. Voilà. Donc, comme dit Serge Monast, hein, qui a tout expliqué à la télévision française, s'il vous plaît, quand même, encore à l'époque, hein, en 1993, il a raconté exactement tout ce qui est en train de se passer. Et le journaliste lui dit, question simple, hein, encore ils étaient normaux, hein, à l'époque, hein, les journalistes, c'est pas devenu des journalopes. Mais question simple, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a fait simple, informer, voilà,
C'est déjà ça, c'est la base. C'est l'ignorance qui nous amène à notre perte. Donc, informer, oui. C'est l'outil majeur, comme une base, hein, comme une fondation. Mais ça suffit pas. Évidemment que ça suffit pas. Hein, sinon, le problème ne serait pas aussi complexe. Voilà. Mais il faut, tout en informant, il faut créer des liens. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Et puis, c'est pas ce qu'on cherche. On gratte pas l'amitié. On cherche de la vraie entraide. Voilà, de l'entraide. On a besoin. L'humain est fait pour vivre ensemble, pas chacun dans son coin. Ça, c'est la société qui nous l'a inventé. On est fait pour vivre ensemble. Moi, j'ai eu un coup de fil. Tiens, un truc con, hein. Aujourd'hui, hein, je suis carpe diem. J'ai eu un coup de fil. Constituant gilet jaune. C'est pas le but des constituants gilet jaune, mais il s'avère qu'il y a un lien avec eux. Et ben, l'air de rien, ce contact. Eh bien, si vous savez ce que ça m'a fait chaud au cœur, je suis partie avec ma voiture, je chantais. Alors qu'en soi, j'ai pas envie de chanter. Mais parce que le contact, il était bon, il était humain, il était dans la considération de l'autre, dans se dire merci, dans se dire on va y arriver, on s'inquiète pas, on n'a jugé personne. Au contraire, on est juste contente de savoir qu'on existe. Donc, oui, on a besoin de vivre ensemble. On est fait plus tard pour vivre comme ça. Ça, c'est eux qui nous ont inventé les choses autrement. Il faut quitter ce monde inversé. Il est inversé pour tout, à tout. On est attaqué de tous les côtés, de toute façon. Donc, pour revenir aux enfants, pourquoi les enfants? Parce que c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières. C'est parce que s'il y a un sujet où il n'y a pas de débat, c'est les enfants. Nous avons tous été des enfants. D'accord? Il n'y a pas de débat, là. D'accord, il n'y a pas un problème. Et les enfants sont notre avenir. Oui, aussi. Mais si tu veux, moi, j'ai qu'à me rappeler. Moi, j'ai un adage à la con. Hein, je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Alors, bon, ça fait pompeux, mais quelque part, ça calme. Hein, parce que il y a des fois, j'ai pas besoin qu'on me le dise. Je m'auto-censure. Je m'auto-fais mon reproche à moi-même. Parce que voilà, il y a des fois, on croit qu'on fait bien. Ben oui, des fois, on fait pas bien, on dit pas bien les choses, on a cru qu'on allait bien expliquer, mais c'est pas forcément le cas. Alors, comme on est dans un climat complètement anxiogène, en plus, comme disait Karine à l'époque, je suis désolée Karine, mais dans un réalisme, votre combat, il est pour moi le combat, mais par contre, pris dans cette putain de pandémie, franchement, c'est pas de chance, quoi. C'est comme les poupées russes, c'est un problème, c'est dans un autre problème. Franchement, mais tu voulais faire compliqué, tu peux pas faire plus compliqué en fait. Voilà. Donc, ok, il y a la pandémie, hein, faut pas l'occulter, c'est pas ça. Hein, mais n'oublions pas les enfants dans le sens. Et justement, c'est peut-être notre clé à nous tous, quoi. Et puis moi, les enfants, même si j'en ai pas, ben j'ai envie de les regarder droit dans les yeux. Voilà. Quand je leur dis bonjour, j'ai l'impression que je me sens digne, parce qu'au moins j'essaie de faire quelque chose pour eux. Hein, à tous les échelles, à tous les niveaux, faut vraiment qu'on se consacre sur les enfants, quoi. Vraiment les enfants. Voilà. Pas que, mais quand même, en grande majeure partie, les enfants. Voilà. Oui. Alors les enfants, hein, on l'a entendu après la pseudo réélection macronesque, c'est son but, hein, voilà, c'est son objectif, ce sont les enfants sur le quinquennat. Donc après tout ce qu'on vient d'énumérer, je vous laisse imaginer la suite. Dupont-Moretti, je vous laisse imaginer la suite. Voilà, donc on va pas se laisser faire, hein, croyez-le, on va pas se laisser faire. On est beaucoup à être mobilisés, même si pour l'instant. J'ai juste un truc à dire. Oui. On a 4 ans. 4 ans. C'est ça. Je disais, on fait pas beaucoup de bruit en ce moment, mais vous inquiétez pas, on est beaucoup à se mobiliser. Et quand ça va chauffer pour de vrai, ça va chauffer pour de vrai. On va se lever vraiment d'un seul homme, pas forcément de la manière de eux l'entendre. On est en train de bosser là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'agglomérer à une idée commune. Le tribunal populaire, hein, et la vérité. Donc, croyez-le, on va y arriver.
On va y arriver. Et il y a vraiment des personnes qui sont vraiment inattendues, qui viennent s'adjoindre tout ce combat, le combat pour l'avenir de nos gamins et la défense de nos enfants. Donc, croyez-le, on va y arriver. Voilà. Ben super, Loulou, parce que je pense que c'est ça. Il faut vraiment donner de l'espoir à tous ces parents victimes qui perdent pied. Et rester justement dans l'amour, parce que voilà, je suis pas quelqu'un de révolutionnaire, je suis pas quelqu'un normalement qui est dans la haine, dans la vengeance. Non, voilà, ce que je fais, j'essaie de, bah, oui, bien sûr, je suis révoltée et je suis en colère, mais je m'en sers pour agir, parce que je crois réellement en un monde meilleur, donc c'est pour ça que je fais des choses. Mais voilà, l'espoir et rester dans l'amour, je pense que c'est le plus important. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé un appel le but, voilà, c'est pas une résistance, c'est pas comme dans les manifestations qu'on voit où ça peut dégénérer, hein. Vraiment, voilà, c'est pour apporter une crédibilité à notre soutien, quoi. Et puis autre chose aussi que je voulais dire, ils s'amusent souvent à faire, à mettre des dates, des mêmes dates pour des audiences, parce que j'ai appris donc il y a pas longtemps qu'il y avait le 16 septembre aussi à Bordeaux une audience pour une affaire similaire pour Sylvie Elfinger. Merci d'y avoir pensé, parce que ça m'était sorti de la tête étant prise dans le direct. Merci beaucoup Gladys. Mais effectivement, j'ai eu Stéphanie hier soir, et c'est pas à Bordeaux, hein, je t'ai mal informée. C'est dans l'Essonne. Voilà. Mais dès D'accord. demain matin, je posterai le, justement, je crois qu'elle l'a fait déjà, Stéphanie. Je posterai effectivement ce rendez-vous. Et ça, c'est pas une première, hein. Faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons, parce qu'ils sont la justice, quel que soit le sujet, là, soyons clairs, ils ont le don, hein, à diviser pour mieux régner, de mettre le même jour plein d'affaires, bien c'est sûr, ça, c'est ça. À plein d'endroits. Comme ça, si on veut se réunir, eh bien, dans le cul la balayette. Voilà, excusez-moi si je suis un peu grossière là, pour le cul, pour le coup. Et pourtant, c'est très important. Ils sont d'une grossièreté, mais ils sont insultants. Mais vraiment, moi qui voulais être à 11 ans juge pour enfants, mais putain, mais heureusement, enfin, peut-être, non, j'ai eu tort, j'aurais dû y aller parce que j'aurais fracassé tout ça. Ou je sais pas, il vaut mieux que je sois avec le peuple finalement, c'est là où je me sens bien. Mais vraiment, quelle honte, je suis indignée de mon pays, quoi. Putain, avec leur putain de propagande, liberté, égalité, fraternité, oui, mais quelle hypocrisie, quoi. Hein, moi, j'ai le hashtag stop hypocrisie, mais franchement, mais à tous les niveaux, mais arrêtons l'hypocrisie, s'il vous plaît, quoi. Regardez la vérité en face. Franchement, la vérité nous affranchira. Et tous, voilà, il y a sans exception. Donc, si on ne veut pas défendre nos enfants, mais on vaut quoi? On vaut quoi? On vaut rien. C'est la chose la plus sacrée. Et justement. Putain, c'est dingue. Bon, j'arrête. Je me calme. Pardon. Et bravo, justement, je voulais faire une petite parenthèse pour. Ouais. Une petite parenthèse sur ces audiences, parce que justement là, on est là en train de parler du peuple, du citoyen, de l'opinion publique, et c'est ça qui est important. C'est ce dont on croit quand on fait appel à la justice. Mais les audiences civiles, hein, les audiences qui sont devant le juge des enfants ou devant le juge des affaires familiales, sont en huis clos, et c'est ça qui est horrible, parce que si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez même pas imaginer comment se passe une audience pour un parent protecteur en huis clos. Les magistrats devraient être récusés parce que ils ne sont pas impartiaux. Ils parlent très très mal, ils nous insultent, ils nous laissent pas la parole, ils ne cherchent pas la vérité. Enfin, c'est ignoble. Et pour les audiences au pénal, comme fait Priscilla, que j'ai vécu, c'était au tribunal correctionnel. Elles sont publiques, et j'estime que c'est très important de soutenir quelqu'un, parce que sincèrement, voilà,
pire qu'une terroriste. J'ai été, après avoir fait 6 mois de prison, après avoir eu un contrôle judiciaire, enfin voilà, j'ai été interrogée pendant 4 heures seule devant donc un magistrat avec 2 autres autour, le greffier, une personne qui s'occupe de la salle, l'avocat de la partie adverse, le père biologique de ma fille qui était presque, allez, il était à quelques mètres de moi, et le procureur. Hein, alors, malheureusement que des femmes. Hein, et pendant 4 heures, on nous interroge. À un moment, à la fin, j'ai cru que j'allais sauter la balustrade parce qu'il faut garder son calme, parce que c'est ce qu'ils cherchent à nous déstabiliser pour regarder. Ben, regardez, hein, regardez cette femme comme elle est folle, comme elle est. Hein, mais c'est ignoble ce qu'ils nous disent. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir ce qui se passe, surtout quand les audiences sont publiques, et d'aller soutenir et d'aller vous renseigner, parce que ce n'est pas du tout la justice à laquelle on croit. Ça se passe pas du tout comme ça. C'est pire que on est traité pire que des terroristes. Bravo. Je suis complètement d'accord avec Gladys. Bravo Gladys, et franchement. Si je peux relever un peu ce que dit Gladys, moi je suis un peu comme Gladys, j'ai vécu aussi les huis clos dans le juge des enfants notamment. Moi aussi ils ont essayé de me mettre en prison pour soustraction de mineurs. Bon, bref, je ne vais pas raconter l'histoire, mais voilà, ils n'y sont pas arrivés. En tout cas, une chose est sûre, sur les huis clos, quand on a un magistrat et plusieurs services sociaux, enfin plusieurs acteurs de services sociaux, qui viennent, qui vous diffament, qui vous discriminent, qui violent votre intégrité, tant physique que psychologique pour le coup, parce que vous prenez peut-être pas les coups par les poings, mais vous les prenez dans le cœur, parce que ce qu'ils disent, c'est ignoble. Vous savez que vous êtes innocent, et au civil, la présomption d'innocence n'existe pas. Dans le juge des enfants, au juge des enfants, il n'y a pas ce respect qu'on peut retrouver au pénal, même si des fois au pénal c'est difficile, certes, mais il n'y a pas ce respect au pénal. Le magistrat, il va regarder les pièces, il va regarder les preuves, il va faire valoir la vérité. Au juge des enfants, la vérité n'existe pas, la vérité ne compte pas. La parole des enfants, des parents, les pièces, les preuves, tout ça, les témoins, les gendarmes, les docteurs, tous ceux, les certificats médicaux, tout ça, rien. Rien, rien n'est pris en compte, mais vraiment rien du tout. Et nous, ou nos enfants. Il faut le vivre, dénonce, pour croire. Voilà, quand on dénonce des faits réels. Pardon, Zaza. Ouais, on n'est pas entendu, quoi. Je pense à quelque chose, parce qu'effectivement, je devrais faire un tableau de bord, hein, prendre des notes, parce que finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'infos, hein, quand on est dedans. Qu'on s'y implique. Hein. Je ne sais pas si c'était le même jour, Loulou, hein, dans effectivement l'année dernière sur Montpellier, Hélène Lombard avait dénoncé qu'effectivement, au niveau de la loi, hein, si la loi était appliquée, normalement, oui. Hein, enlever des enfants à leurs parents, c'est d'ordre du pénal, qui n'est absolument pas appliqué. Il n'y a rien qui se fait au pénal. Oui, c'est exactement ça. Hein, allez, on fait un signalement, un maire, une école, enfin peu importe, un voisin, hein, tous les scénarios possibles, hein, inimaginables d'ailleurs, hein, on regarde trop la télé, votre fils est trop gros. Ben, j'en ai entendu, mais vraiment, mais c'est impensable. Eh bien, tout ça, normalement, si on appliquait vraiment la loi, hein, de notre pays, c'est d'ordre du pénal. Rien que ça, ça rentrait dans les détails des affaires des uns, des autres, et etc. Voilà, parce que moi, si vous voulez, mon but suprême, je cherche des avocats, je cherche encore, hein. Bon, j'en parle pas, là, je le fais parce que je me sens en confiance. Parlant d'avocat, j'ai vu un commentaire, Natacha Chevalier, c'est pas un avocat? Ah, je sais pas. Oui, excuse-moi, Eva, parce que j'ai vu un commentaire de Natacha Chevalier, et on m'en a parlé, donc justement, je serais contente d'avoir le commentaire ou l'avis d'un avocat. J'ai vu Natacha Chevalier, je ne sais pas si je me trompe, mais...
Ben, je ne sais pas si elle est encore là, qu'elle nous donne la réponse. La dame, elle met oui, la dame. Elle met oui. Ah, ben, merci. Hein, merci de nous suivre déjà. Oui. Natacha, elle est là tous les jours. Ah, tu la connais, elle fait partie de... Ok. Oui. Ok. Donc, ben, qu'elle confirme ce que dit Hélène Lombard, hein, qui d'ailleurs... je vous rappelle, pour une affaire qui datait de 2019, hein, alors que la justice avait rendu justice. Elle devait aller récupérer des enfants ou une enfant, hein, je ne sais plus exactement, chez des... comment vous appelez ça, là, quand il... une famille d'accueil, voilà. La police. Elle a osé faire une vidéo pour être sûre de pouvoir récupérer l'enfant. Donc, ça a mis 2 ans, hein, je crois, 2019, voilà, c'est ça. 2021, ils l'ont mise en prison. Le même jour, on a fait une mobilisation le jeudi 24 juin de l'année dernière. Elle est partie 4 mois en prison, Hélène Lombard. Donc oui, c'est et ouais. Elle est elle-même concernée, mais elle se dévoue aux autres. Elle donne des outils, elle dit des vérités. Et voilà ce qu'on risque. On prend évidemment des risques. Bien sûr qu'on prend des risques, mais bon... on n'a rien sans rien non plus, quoi. Enfin, C'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de liberté d'expression, qu'il n'y a aucune liberté d'expression, qu'on n'est pas dans une démocratie et qu'on est vraiment dans un état totalitaire. Parce que, en fait, si on ne dit pas, si on dit la vérité, hein, qui dérange, et voilà, on nous incarcère. C'est grave. Et alors que les terroristes se déplacent de pays comme ils veulent, les criminels il faut être récidiviste pour avoir peut-être une condamnation, mais avec aménagement. Et puis voilà, ça me fait penser. Alors c'est un petit peu plus gros, mais comme vous savez, Coluche qui dérangeait, bing boum, on n'en parle plus. Voilà. Ouais, et ben là, on essaie d'évincer les. Ouais. J'étais justement en train de penser à Coluche et tu m'as inspiré quand il disait il faudrait qu'on remue assez la merde, hein, pour que ça pue, hein, pour que ça dérange bien tout le monde, voilà. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de faire, hein, de faire bouger cette merde là, hein, pour que ça dérange assez de gens et pour que les gens se mobilisent, parce que de toute façon. La solution, on ne l'aura pas de par les institutions, hein, c'est clair. Hein, voilà, faut pas le négliger, faut jouer le jeu, hein, entre guillemets. Mais c'est le peuple, pour le peuple, par le peuple. C'est à nous d'agir là maintenant. C'est au stade où on en est, on n'a pas 36 solutions. Voilà. Et faire un oui, un parce que ça peut arriver à tout le monde. Voilà, un soignant suspendu qui a fait une marche. De Montpellier à Paris, hein, qui est un ami, il cite Bob Marley, combattre le diable par l'amour. Mais vraiment, je pense qu'on en est dans l'amour uni, hein, et l'amour, c'est pas bisounours. Hein. L'amour, c'est au contraire, c'est courageux. Hein, c'est accepter la souffrance, la sensibilité, ouais. Et justement, rester digne et y aller, quoi. Déterminer, quoi. Hein, voilà. C'est ça, l'amour, c'est pas faire du violon, hein, caresser quelqu'un, lui dire t'es beau, t'es merveilleux, c'est pas ça l'amour. Hein. Voilà. C'est l'amour de son prochain, c'est l'amour de l'humanité, c'est protéger les enfants, ça c'est l'amour. D'accord? Donc oui, combattre ce diable, parce que pour moi, tout ça, je le résume dans une chose, hein, c'est le bien contre le mal et le mal contre le bien. Hein. On en est là, hein. Faut faire un peu simple à un moment donné. Voilà. C'est clair qu'on est en plein dedans. On va se passer une dernière vidéo, hein, oui. et on va aborder la fin de l'émission après. Donc on va regarder ça ensemble. Allez. Oui. On parle de l'ASE, vous allez voir. Alors moi j'ai vu pas mal d'archives d'images d'archives de l'année dernière. Ça me rajeunit pas tout ça. Ça m'a rappelé Montpellier, ça m'a rappelé plein de choses. Ça rappelle des choses, ouais. Voilà, ça m'a pas mal remué, ouais. Ouais, j'avoue. Ça remue. On se regarde ça et puis on se retrouve après. Merci. Nous sommes des victimes de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, des victimes de placements abusifs ou inversés.
nous avons lancé cette opération photo afin que le peuple soit informé de notre existence et nous souhaitons par cette action apporter notre témoignage concernant les souffrances qui nous sont infligées. Nous sommes des dizaines, nous sommes des centaines, nous sommes des milliers, pour qui la vie a un jour basculé. Et pourtant, nous étions comme vous, les parents aimants et bienveillants, jusqu'au jour où tout a basculé, le jour où nous nous sommes enlevés ce qu'il y avait de plus beau à nos yeux, nos enfants. Nous espérons que vous serez nombreux à partager cette vidéo afin de nous aider et que d'autres victimes puissent nous rejoindre dans cette action. Il faut prendre conscience que derrière chaque photo, il y a notre espoir, celui de pouvoir comme vous à nouveau vivre avec nos enfants. Car derrière chaque photo, il y a une histoire bouleversante qui nous pousse à témoigner. Derrière chaque photo, il y a de la tristesse et des larmes, des souffrances, des angoisses et des nuits blanches, trop de nuits blanches. Derrière chaque photo, il y a un espoir. Il y a d'avoir le droit à nouveau au partage, à la complicité, aux échanges, à la joie, au bonheur et à l'amour. Derrière chaque photo, il y a un choc et un traumatisme. Celui d'avoir été accusé de ne pas être capable d'élever notre ou nos enfants et d'apporter l'éducation et la sécurité qu'il mérite. Derrière chaque photo, il y a nos vies écorchées, nos cœurs brisés qui saignent de douleur. Derrière chaque photo, il y a trop souvent des manipulations visant à nous discréditer, nous, parents, avec des procédures illégales, et la volonté d'instrumentaliser nos enfants afin de briser les infamités. Derrière chaque photo, il y a nous, face à nos peines, nos souffrances, notre désespoir, après tant d'années à nous battre seuls, seuls face à cette machine qui nous broie. Nos bourreaux sont l'aide sociale à l'enfance et cette justice. Trop souvent déshumanisés, instrumentalisés, gangrénés par certaines de ces décideurs, complices des fiches rap d'enfants. Un enfant placé sous le prétexte de le protéger, de lui apporter le respect, de lui donner l'éducation et la sécurité est facturée en moyenne entre 7 000 et 20 000 euros par mois. Et pourtant, malgré cette somme importante, le strict minimum est réellement dédié à l'enfant. Derrière chaque photo, il y a l'ombre de ceux qui ont décidé d'infliger tout cela. Décider de s'immiscer et d'imposer, et pour qui nous sommes en droit de nous interroger sur l'état de la communauté. Derrière chaque photo, il y a notre espoir que vous partagez cette vidéo et nos témoignages photos, et que cette injustice cesse.
Derrière chaque photo, malheureusement, il y a des personnes qui pourraient être vous. Devant chaque photo, il y a moi, il y a toi, il y a vous qui êtes capable de comprendre toutes ces souffrances et qui juste souhaitez ardemment comme nous qu'elles cessent. À vous qui êtes capable de comprendre cela, merci. À vous qui êtes capable de comprendre cela, merci. À vous qui êtes capable de comprendre cela, merci. À vous qui êtes capable de comprendre cela, merci. À vous qui êtes capable de comprendre cela, merci. Bah quand ce qui est grave, c'est de voir que ça dure depuis des années. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que la honte change de camp, que la peur change de camp et qu'on fasse tout pour se faire entendre, quoi, qu'on arrête de se taire. C'est plus possible. Bravo, tu as raison. Et moi, je retiendrai un mot de ce que tu as dit, enfin une phrase, c'est que la peur change de camp. Voilà. Que la peur change. Bravo. Zaza? Oui. Eh bien, moi j'ai tellement de choses à dire. Je ne sais pas par où commencer. Déjà avant tout, merci à tous ceux qui ont écouté. Merci Gla, Moulou, Eva pour l'invitation et de m'avoir donné la parole ce soir. Oro aussi, qui est à la technique. Et voilà, moi je voulais dire en fait, pour finir en tout cas, merci d'avoir surtout partagé le travail de Grains de Sable et cette action. Oui. Cette action qu'on a tous vécu en commun, puisqu'on l'a tous créé ensemble, en fait, parce que sans les photos, ce montage et sans vous, il n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, merci à tous. Et on doit continuer. On doit continuer de dénoncer. On doit continuer de parler et de briser le silence pour les enfants et pour nous aussi. Et pour notre avenir à tous, en fait, voilà. Et je voudrais juste revenir, si je peux. Je peux, Loulou, j'ai 2-3 minutes. Vas-y. Exprime-toi, profite-en, vas-y. Merci. Tu l'auras peut-être pas ailleurs. Ici, vous êtes là pour ça et on vous ouvre l'antenne, c'est pas pour rien. Vas-y, exprime-toi. Pour que les personnes puissent comprendre ce qu'est un placement, quand on dit abusif ou inversé, sans faire de long, je vais faire un bref résumé. Quand on dit un placement abusif ou injustifié, c'est en fait, on vous prend votre enfant pour des suspicions ou des raisons qui ne sont pas forcément des raisons qui pourraient justifier justement un placement, comme la maltraitance ou comme l'inceste. Et quand bien même si l'un des deux parents est maltraitant ou incestueux, peut-être que l'autre ne l'est pas. Voilà. Et de ce fait, on place quand même les enfants. Alors, quand on est des parents, qu'on a juste une difficulté éducative, par exemple, je ne sais pas, moi, l'enfant, il refuse d'aller à l'école parce que il n'aime pas l'école, voilà. Au lieu de leur apporter une aide éducative à domicile, ils vont prendre l'enfant au prétexte qu'il ne va pas à l'école et puis ils vont le placer en foyer ou en famille d'accueil. Et puis, il va se passer des mois et des mois avant qu'il aille à l'école, voire il n'y va pas du tout. Par contre, il vit aussi la violence, chose qu'il n'avait pas à la maison dans ses foyers ou dans ces familles d'accueil. Je voulais relever ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est un placement abusif, parce que des fois, c'est pour des raisons vraiment, c'est n'importe quoi. On vous dit la chambre de votre fille, elle est trop rose, on vous la place. On vient aujourd'hui prendre des enfants pour n'importe quoi. Il n'y a plus, comme je disais tout à l'heure, de présomption d'innocence. Il n'y a plus de bénéfice du doute. Vous êtes jugé coupable à partir du moment où vous avez eu un signalement. Ce que je voulais relever aussi, qui fait partie aussi des placements abusifs, ce sont les anciens enfants placés qui aujourd'hui sont adultes,
qui deviennent parents, eh bien, se voient confrontés au placement de leurs enfants pour les mêmes raisons que je vous cite, hein, des raisons, en veux-tu, en voilà, tellement que c'est n'importe quoi. Et pour les placements donc inversés, alors là, c'est quand les magistrats décident de placer l'enfant, donc en mesure de placement en général à domicile, chez le parent, qui pourtant est défaillant, qui pourtant est maltraitant, voire incestueux. C'est ça le placement inversé. C'est-à-dire qu'on va délibérément laisser l'enfant à son bourreau. Et le parent protecteur va être rejeté, va être exclu, va être diffamé, discriminé, sali dans des rapports, dans des jugements, comme dans les placements abusifs d'ailleurs. Et c'est ça aujourd'hui le problème, c'est qu'il n'y a plus de justice, il n'y a plus de vérité, il n'y a que le mal qui peut être fait dans la destruction des familles, sur les enfants, sur leurs parents et toute la famille autour. Parce que quand un enfant est pris, non seulement il ne voit plus son papa et sa maman, il voit peut-être plus ses frères et sœurs, mais il ne voit plus non plus papi, mamie, tati, tonton, marraine, cousin, les cousins. Il ne voit plus personne. Même le chien, même le chat. Il est coupé de tout, de tout le monde. Et vous, en tant que parents ou en tant que famille, vous n'avez jamais de nouvelles de vos enfants. Même si vous les demandez, vous allez avoir des nouvelles. Oui, oui, ils vont bien. Voilà, et c'est tout. Ils ne vont pas vous détailler. Ah, ben aujourd'hui, par exemple... le petit ou la petite, elle a fait telle activité ou elle a fait ça ou ça à l'école, elle a réussi tel ou tel truc. Jamais ils vous donneront des nouvelles concrètes de la vie de vos enfants dans leurs mains. Jamais. Et quand vous leur demandez les retours des actes médicaux qu'ils font à vos enfants ou bien encore des bilans scolaires, vous ne les avez pas. Et c'est vous, en tant que parent, qui êtes obligé d'aller chercher comme un détective, l'information auprès des professionnels concernés, si vous arrivez à avoir leur nom. C'est scandaleux, c'est monstrueux. Comment on peut enlever un enfant pour lui dire aux parents qu'on va les mettre sous mesure éducative? Donc une mesure éducative, c'est une aide éducative. Hein, donc normalement, les placements ne devraient pas avoir lieu pour qu'en fait, au final, la famille ne soit pas aidée et qu'elle soit... et qu'elle soit détruite. Voilà. Donc, je voulais vraiment revenir sur ça pour bien que ceux qui ne connaissent pas le sujet puissent comprendre ce que nous dénonçons et ce que nous combattons, en fait, tous et toutes ensemble, à notre niveau, avec nos moyens, avec notre force, notre courage, notre dignité, avec tout ce qu'on a. Parce que nous, nos âmes, elles sont là, elles sont, comme le disait Eva tout à l'heure, elles sont dans l'amour, elles sont dans notre solidarité, en fait. Et nous, on ne veut pas ça pour nos enfants, ni pour les familles de demain, et ni pour nous-mêmes encore aujourd'hui qui le vivons. Aujourd'hui, on se bat pour récupérer nos enfants face à un système qui est violent avec nous, qui est violent avec nos enfants, qui est plus que défaillant, plus qu'à la dérive. Il est le bourreau qui nous persécute, ce système. Voilà, je voulais dire ça. Et pour en revenir juste un petit peu, pour parler de moi, mais pour revenir aussi sur ce que disait Gladys tout à l'heure, quand on parlait des soustractions de mineurs, je ne vais pas revenir sur mon histoire personnelle, mais je vais faire juste un court résumé. Quand l'éducateur, dont je parlais tout à l'heure, qui m'a fait tant de mal quand j'étais enfant, est le même éducateur qui demandait de l'argent à ma maman, à hauteur de 5000 francs, à l'époque c'était en francs, pour avoir le droit de venir nous voir en visite au foyer. Donc, il l'a dépouillé, hein, alors qu'on sait très bien que les visites médiatisées ou ailleurs, dans des lieux, ont toujours été gratuites, hein, d'accord ? Donc, il dépouillait ma maman en lui faisant croire que c'était payant. Sinon, elle n'avait pas le droit de nous voir. C'est le même éducateur qui a demandé, quelques années plus tard, le placement de mon enfant. C'est le même éducateur qui a fait en sorte d'essayer de me mettre en prison une première fois pour non-représentation d'enfant avec le papa de mon enfant. Voilà. Donc, tout ça pour dire que quelques années plus tard, je me suis battue. Ils avaient déjà prévu
avec cet éducateur et ce papa et toute cette justice, tout ça, tout ce système, de toute façon, de placer mon enfant. À savoir, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que avant que mon enfant naisse, j'avais déjà reçu une menace par les services sociaux, comme quoi si je ne me présentais pas à leur bureau et que je ne faisais pas les suivis PMI, donc protection maternelle et infantile, donc c'est-à-dire des docteurs qui appartiennent au département et à l'ASE, eh bien, ils me prenaient mon enfant. Donc, j'ai déjà reçu une première menace. Donc, je me suis rendue là-bas. Ils m'ont expliqué qu'effectivement, ils m'ont dit, non, en gros, que je n'avais pas le droit d'avoir un médecin traitant ou un pédiatre de mon choix et que si je ne suivais pas leur obligation de suivi PMI qui n'était absolument pas nécessaire parce que mon enfant était en très bonne santé et suivi, hein, je précise, eh bien, qu'ils me prenaient mon enfant à la naissance. Et c'est ce qu'ils font à beaucoup de parents. Et quand votre enfant naît, on vous refait encore un autre signalement où là, les services sociaux débarquent, hein, ou l'assistante sociale, ou l'infirmière, ou le docteur fait un signalement, et on vient vous prendre votre enfant à la naissance. Pour beaucoup de mamans, pour beaucoup de mamans, il y a des mamans, là encore récemment dans le 56, il y a moins d'une semaine, on vient de lui enlever son bébé à la maternité, alors qu'ils n'ont rien contre cette maman. C'est juste une suspicion, un signalement. Voilà, on vient vous enlever vos enfants aujourd'hui dans les maternités, dans les écoles, dans les crèches, dans les colonies de vacances, même à votre domicile. C'est hyper grave ce qui se passe. Je veux dire, on n'est pas dans le game là. On n'est pas dans le game, on n'est pas dans un jeu vidéo. C'est une réalité qui touche des milliers de familles en France, et pour la France en tout cas, mais des milliards. Tous les gens dans le monde, on est 7 milliards, et je pense qu'il y a au moins 1 milliard qui sont concernés au minimum par tout ça. Enfin, c'est mon avis perso. Hein. Mais ce que je voulais revenir à dire, pour finir, c'était que dans ma situation, j'ai vécu le placement abusif, puisqu'ils ont quand même réussi en 2018 à me prendre mon enfant. Donc j'ai l'éduc qui m'appelle, qui me dit que mon fils va être placé. Donc moi, ancien enfant placé, connaissant le personnage, panique. Je suis partie, ils m'ont retrouvée 2 mois plus tard à peu près en Espagne. Quand ils m'ont pris mon enfant, ils m'ont tasé avec mon fils dans les bras, hein, ils m'ont électrocuté pour me l'arracher des bras, pour me le voler, hein, clairement. Il n'y a pas d'autre mot pour me le voler. Ils m'ont volé, donc je suis restée pendant 8 heures par terre à ne pas pouvoir me relever. Et une fois que j'ai réussi à me relever, à me remettre sur mes pattes, la police espagnole, ils m'ont jeté à la rue et ils m'ont dit « Voilà madame, nous, on avait des recommandations de la France. Tout ce qu'on voulait, c'était votre enfant. Mais comme vous n'avez pas commis de délit dans notre pays, vous êtes libre. » Ils m'ont lâché dehors à 4 heures du matin, en plein Barcelone. Je ne connais rien ni personne. Hein, heureusement que j'ai une belle sœur qui est espagnole et qui a un forfait France-Espagne. Et que j'avais mon portable. Bon, bref, ça, c'est des détails. Mais voilà, et on en est là. Donc, ils vous enlèvent votre enfant. Après, ils vous laissent à la rue. Donc, votre famille doit se mobiliser, galérer à venir vous chercher, vous récupérer. Parce qu'en Espagne, on ne peut pas griller le train comme en France. Hein. Non. Non, ce n'est pas possible là-bas. Bref. Et donc, c'est des vrais films. C'est des vrais films. Si ce n'est que... ces témoignages. C'est un truc de fou. Hein. Et juste pour finir, parce que... Je voulais revenir ma pousse sur la soustraction de mineurs, justement. Et donc, du coup, en revenant en France, quelques jours plus tard, ma sœur me dit qu'il faut que je me présente au commissariat et qu'elle ne sait pas pourquoi, mais voilà, j'arrive au commis. Et là, ils me disent que je suis poursuivie pour soustraction de mineurs, que je suis en garde à vue. Quoi ? Comment ça, soustraction de mineurs, je suis en garde à vue ? Bon, bah, soustraction de mineurs, je suis en garde à vue. Donc voilà, donc les années, les moments passent, ma sœur, je passe au pénal. J'essaye de résumer. Je passe au pénal et au pénal, il est reconnu par les cours correctionnelles qu'il n'y avait aucune légalité du placement puisqu'il n'y avait pas d'ordonnance de placement et qu'il n'y avait pas non plus l'avis de recherche dans lequel je devais être inscrite pour pouvoir extrader mon fils et pour pouvoir être poursuivie pour soustraction de mineurs. Et franchement, je dis merci à Best Lawyer, c'est comme ça que je l'appelle, mon meilleur avocat, parce que si lui, il n'avait pas été là, cet homme, cet avocat, pour faire pénaliste, pour faire reconnaître qu'effectivement, il n'y avait pas d'ordonnance de placement,
Ben aujourd'hui, j'aurais pris 5 ans de prison sur mon innocence. Je n'ai pas soustrait mon enfant. J'ai pris mon enfant pour le sauver et le protéger d'un danger que je savais imminent, qui s'appelle l'aide sociale à l'enfance, et que je connais très bien, puisque j'y ai vécu 34 ans de torture. L'ASE, ça ne leur a pas plu hein, que j'ai été innocentée, et que donc ils auraient dû me rendre mon enfant. C'était en 2019. Pour ne pas me rendre mon enfant, ils ont dit que la famille d'accueil était plus à même à s'occuper de lui que moi, en gros, hein, et qu'il était mieux chez elle que chez moi. Je résume hein, les horreurs. Voilà. Donc, du coup, ils ont fait appel pour justifier ça et ils ont mis mon fils à l'école pour justifier qu'il est scolarisé avec la famille d'accueil, donc il ne peut pas rentrer à la maison. Et pendant ce temps-là, ils ont fait appel. Et comme l'appel, on ne savait pas si ça allait être décisif ou qu'est-ce qu'ils allaient dire, hein, puisque je suis toujours présumée innocente, hein, il y a le bénéfice du doute, et ça a déjà été reconnu que je suis innocente, mais comme il y a encore la cour d'appel, du coup, on ne sait pas. Donc, ok, ça leur donne une raison pour continuer le placement. Un an toujours plus tard… Excuse-moi Zaza, oui. Tu as eu un appel sur le bénéfice du doute ? Non, j'ai eu un appel sur mon innocence, c'est-à-dire que la cour vient de reconnaître que je ne suis pas, que je n'ai pas soustrait mon enfant, tout ça. Et eux, ils ont été au bénéfice du doute de la part de l'éducateur, ils ont fait appel en fait. C'est-à-dire que l'éducateur disait, mais si, moi j'ai envoyé les papiers. Alors, attends, le bénéfice du doute ne peut pas être pris par l'accusateur. Il ne peut être pris que par l'accusé. Voilà. Donc, si tu as le bénéfice du doute, c'est clos, c'est terminé. Donc, ça, déjà, ça casse toutes les procédures qui ont suivi derrière. Exactement. Je peux le dire. Hein. Exactement. Et pourtant, je suis pas avocat, je suis pas pénaliste, mais par contre, je suis fils d'avocat. Voilà. Et donc, tu vois, du coup, ils ont fait appel pour prolonger le placement, parce que c'est un peu long, mais j'essaye de résumer. Mais c'est pour expliquer aux auditeurs. Ils ont fait appel. L'appel, pareil, un an plus tard, donc 2020, confirme qu'effectivement, il n'y a pas de légalité à l'ordonnance et que ben, ils doivent me rendre mon enfant, clairement. Un mois plus tard, après mon innocence, ils se sont arrangés avec le juge aux affaires familiales dans un appel qui se passait avec le papa depuis 2016 qu'on attendait. À ce moment-là, on est en fin 2020, donc 4 ans plus tard, après avoir prorogé de multiples fois. Entre-temps, il y a eu le placement de mon fils. Donc, le JAF d'appel disait qu'il ne voulait pas s'occuper de l'histoire parce que le petit était placé, que tant qu'il était placé, il ne donnerait pas raison ni à l'un ni à l'autre. Et 4 ans plus tard, il se décide comme ça. Hop, il revient sur le devant de la scène. Et puis là, il enlève tout à moi, bien sûr. Sur la maman, il m'enlève tous mes droits sur mon innocence, tenez-vous bien. Non-représentation d'enfant, soustraction de mineur pour lesquels j'ai été relaxée. Donc 3 chefs d'accusation pour lesquels j'ai tout été relaxée, tout était innocenté. Ça a été jugé, c'est fini, on n'en parle plus. On ne peut pas revenir sur quelque chose qui a été jugé dans la logique. T'es innocenté, c'est qu'il y a des preuves de ton innocence, on est d'accord. Et de là, ils ont continué à me diffamer, à dire que je ne me suis jamais occupée de ma santé, celle de mon fils, blablabla, tout ça pour me prendre sur des faux et usages de faux, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, donc sur des calomnies, mon autorité parentale, tout en donnant la garde exclusive et l'autorité parentale exclusive à un homme, donc son papa, qui pourtant, lui, dans un autre département depuis son enfance, est reconnu comme violent, dangereux, interdit d'approche de sa propre famille, hein, de sa propre maman. Bon, bref. Et puis, stup aggravé. Voilà. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle ici un placement inversé. Donc, il y a eu le placement abusif, le vol de l'autorité parentale et le placement inversé. Et pire que tout, ce papa à qui ils ont donné tous les droits aujourd'hui n'a pas reconnu notre enfant. Il ne l'a pas reconnu. Il n'a jamais fait les papiers de paternité. Il n'a jamais rien signé. Il est son père parce qu'il a mis la graine. Mais au niveau de la loi, la vraie loi, comme le disait tout à l'heure Eva, il n'a rien. Il n'a aucun droit. Et tout ça, ça a été ficelé
par l'aide sociale à l'enfance et les magistrats complices. Et c'est ce qu'on dénonce, nous, aujourd'hui. Toutes ces défaillances, toutes ces incohérences, toutes ces choses qui tuent des enfants, des parents, parce que ça nous tue à petit feu, parce que c'est procédure sur procédure, procédure sur procédure, pour faire valoir la vérité qui n'est jamais entendue, parce que eux, ça ne les arrange pas. Et aujourd'hui, Gladys ou d'autres parents, ou tous ceux qui m'entendent, qui vivent ce que je vis, aujourd'hui, on est privé de nos enfants, non pas parce qu'on est des mauvais parents, mais parce qu'on dénonce un système qui aujourd'hui est violent et dont on ne veut plus. Voilà. Voilà, j'ai fini. Ouais. Merci, Zaza. Merci pour ton témoignage. Ouais. C'est franchement... C'est les gens qui ne te connaissent pas et qui entendent ça, ils ne peuvent pas y croire. Ils disent, mais c'est plus, parce que plus c'est gros, plus ça passe. Mais c'est ça qui est affolant, quoi. Parce qu'on est là en tant que maman à témoigner, à devoir se justifier, parce que c'est tellement impensable ce qu'on raconte, parce que tu te dis, mais c'est l'autre, elle m'étonne complet. C'est pas possible des choses comme ça. C'est hallucinant quand même. Hein. Et ça passe. Et les élus locaux, ils laissent séparation de pouvoir, séparation de mère. Et franchement, voilà pourquoi on est. Ça me révolte, des choses comme ça. C'est impossible de se taire. Une fois qu'on a vu la vérité, qu'on a réalisé ce qui se passait, on ne peut pas se taire. Je comprends pas. On va pas, c'est pas possible. En tout cas, excusez-moi, c'est un petit peu tard. Je voulais, avant de partir, te remercier, Eva, de m'avoir donné la parole à l'émission de Loulou. Merci Loulou de m'avoir écouté. Bon, ben, Sandra, bien sûr, comme d'hab, nous, on est en contact avant, on continue nos projets ensemble. Et puis, merci. Et puis, pareil, pour tous ceux qui travaillent en amont, en sous-marin et tout ça, merci de nous aider, merci de nous écouter, merci de votre soutien, merci de nous écouter, merci de votre temps. Enfin, c'est énorme. Je fais pareil. Écoute. Ouais. Elle a dû appuyer sur la mauvaise touche. Merci à Gladys, merci à Zaza, merci aussi à toutes ces mamans et aussi ces papas qui se battent. Hein. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les mamans, hein, les copains. Hein. Il y a aussi les papas aussi qui se battent. Voilà, ouais, il y a beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont grands maintenant. Dont je fais partie, c'est pour ça que ça me tient beaucoup à cœur, qui sont passés par ces institutions anciennement appelées la DAS, nouvellement appelées l'ASE. On a subi énormément de choses, que ce soit par les familles, que ce soit dans ces institutions-là. Ça, on le dénonce. Moi, je ne me tairai jamais. De toute façon, je suis une grande gueule jusqu'à la fin des jours. Ils savent que je les emmerde autant qu'ils m'emmerdent. Et il n'y a rien d'affectueux là-dedans. Voilà. Et on ne doit rien lâcher, on doit surtout, au contraire, témoigner, comme Zaza l'a fait, sans retenue, en roue libre, et se lâcher complètement. Non seulement ça va t'aider, Zaza, hein, parce que j'ai entendu ton témoignage tout à l'heure par rapport à ces blessures, ces fissures que tu traînes. Crois-moi que tu peux commencer à te réparer, parce que il va falloir que tu passes par un chemin qui est la réhabilitation de toi, et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Il va falloir que tu reprennes ce chemin de ton amour propre, de reprendre conscience que tu es quelqu'un et que tu es magnifique. Et tout ça, on ne peut pas se mettre à ta place. Mais par contre, voilà, j'essaie de planter quelques petites graines par expérience dans ton cœur et dans ta tête pour que les choses aillent bien pour toi pour demain. Voilà. Je suis quelqu'un qui est passé par des moments très, très difficiles. Je vous l'ai dit, les copains. Je vais pas rentrer dans tous les détails de ma vie, mais croyez-moi, quand j'entends Gladys qui dit « mais tout ça, vous avez l'impression que c'est un film, mais c'est la réalité », si un jour je prends le temps de vous raconter ma vie, vous allez tomber sur le cul. C'est pas une vie, c'est des milliers de vies. Je suis plus qu'un chat, hein, j'ai plus que cette vie d'un chat. Je devrais être mort mille fois.
Et pour autant, je suis là, je suis devant vous. Et voilà. Donc, on peut se réparer. Croyez-moi qu'on peut se réparer. Mais ça, ça passe par nous-mêmes. Et il faut se réapproprier qui nous sommes. C'est vraiment important. Ça veut dire intellectuellement, spirituellement, physiquement, psychologiquement, on peut se réparer soi-même. Il faut juste l'accepter. Voilà. Il ne faut plus que les personnes qui ont été bourreaux de toi par le passé et dans le présent puissent avoir une empreinte sur toi dans le futur. Mais ça, c'est à toi de te le dire, vraiment. Merci Eva, parce que c'est Eva ce soir, c'est l'initiatrice de toute cette belle émission qu'on vous a partagée. Elle m'a contacté voilà, pour créer ce beau moment. Merci Eva. Eva, si tu veux prendre le mot de la fin, je vais te laisser faire. Et puis, pour moi, je vous dis à demain matin, les copains, pour une information plus juste. Allez, Eva, on t'écoute et puis après, on partira en musique. Le mot de la fin, en soi, je ne suis pas concernée. Je ne suis pas maman, déjà. Et d'en réaliser pourquoi je puisse être autant... me sentir concernée, impliquée, touchée, sensibilisée. Je pourrais dire de tas de choses. Hein, on a tous des blessures d'enfants, d'ados. Voilà, je pense qu'on n'est pas si différents les uns des autres. Hein, on a tous nos petites casseroles, hein, nos petits boulets à nos pieds. En tout cas, oui, concrètement... j'en ai fait un préambule, de la vie, c'était pas encore arrivé, mais quand je me suis retrouvée devant le tribunal à Nîmes avec la rétrape, j'ai eu le temps de réfléchir, hein. Donc forcément, de réfléchir aussi à moi, à ma vie, hein, à ce qui m'arrivait, hein, je vivais aussi des choses, hein. Voilà. Et en fait, dans l'introspection, je me suis dit, putain, merde, mais en fait, quand mes parents se sont séparés, que j'ai eu la chance, moi et mon frère, d'avoir nos grands-parents du côté maternel. Si aujourd'hui, donc je vous parle de ça il y a 47 ans, même plus, parce que j'avais un an et demi quand mes parents se sont séparés, donc plutôt 48 ans, 49 ans, si ce que j'avais vécu, je me suis fait en boucle, hein, j'avais dû vivre la même chose. Aujourd'hui, j'aurais été, moi et mon frère, on aurait été des enfants placés, en fait. Et voilà, il y a juste à faire ce travail tout simplement qui est terrible, parce que là, vous auto... je suis un peu maso sur les bords, mais j'ai choisi mon corps. Je préfère le maso que le sadisme. Mais c'est ça, en fait. Voilà, cultiver, n'oubliez pas cette part d'enfant, parce que un enfant, c'est fort, c'est puissant, ça a toute l'innocence et ça que la vérité dans la bouche. Et vraiment, je remercie la petite fille intérieure que je suis, parce que c'est elle qui me renforce, c'est pas l'adulte qui me renforce, c'est ma part d'enfant qui me renforce. Et c'est elle qui est la plus rebelle, et c'est elle qui crie justice. Et qui a envie que tout ça s'arrête, parce qu'il faut vraiment que tout ça s'arrête. Voilà. La reine est morte, voilà. Donc, on va dire qu'on prend le bon chemin, parce que celle-là, je l'attendais. Hein, c'est une bonne nouvelle. Hein, ça fait une semaine aujourd'hui, hein, dans le côté officiel. Elle est morte. Donc, je peux vous dire que là-haut, tout là-haut de la pyramide, c'est en train de, le château de cartes, il est en train de bien s'écrouler, mais n'empêche que, ça reste à nous, à chacun de nous. Nous sommes responsables, nous avons le devoir, hein, dans la Constitution des droits de l'homme, c'est écrit, nous avons le devoir de dénoncer notre gouvernement. Et c'est à nous d'agir, pas à qui que ce soit. Il n'y a pas de sauveur en soi. OK? Donc, il n'y a pas de petite et de grande action, je l'ai assez répété. Il faut agir. Dieu est dans le verbe. Nous devons agir. Voilà. Allez vers les causes qui vous touchent, parce que des combats, il y en a des tas. Hein, il n'y a pas de quoi s'ennuyer.
Mais vraiment, vraiment, je mets en avant la cause des enfants, la pédocriminalité, parce que quand on aura écroulé ça, tout va s'arrêter. Vraiment, tout va s'arrêter, parce que tout est lié. Vraiment, tout est lié. Exactement. Voilà. Merci, Zaza, pour ton courage. Gladys, je suis pas là pour te le dire, mais je te le dis en off. Merci, parce que je salue tous ces parents, tous ces papas, toutes ces mamans qui se battent. Vraiment, je suis admirative de leur courage. Je suis pas parent, je le répète, et je souffre, je vous le dis, j'en souffre. Donc, je n'imagine même pas leur état psychologique, leur état physique, et c'est un tout. Donc, vraiment, je vous donne tout plein d'amour. Même si vous sentez seul parfois, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui sont avec vous par la pensée, qui essayent, qui sont là, qui vont se dévoiler à un moment donné, parce que qui n'est pas sensible à cette cause qui sont les enfants. Voilà. Merci beaucoup, Loulou. Vraiment, merci beaucoup. Et merci le tcha-tcha-tcha. On n'est rien, voilà, on n'est rien. On a tous besoin les uns des autres et merci pour vos partages. C'est ça, c'est la suite logique des choses. Cette action, elle n'a que de fruits, elle n'a que de crédibilité que si vous diffusez l'information. Et pour ça, vous êtes là. Vous êtes un maillon de la chaîne. Nous sommes une chaîne humaine. Et c'est ça qui fera que on va obtenir ce qu'on a de droit. Voilà. Je fais ma petite citation. Je suis toujours pleine de citations. Qui est un droit fondamental humain. Je cite, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Point. Il n'y a pas à débattre, il n'y a pas à discuter. Voilà. Devant tous les jurés, les avocats, les gouvernements, voilà. Levez la tête, soyez digne et avancez déterminé dans ce que vous avez à faire. Voilà. Nous sommes du bon côté. Merci, Eva. Merci, les amis. Merci, le tcha-tcha-tcha. Il n'y a que ici que tu trouveras un tcha-tcha-tcha. Ça n'existe pas ailleurs. Ça, c'est notre Nico, notre Nicolae. Ah, ça m'étonne pas. Ben oui, c'est notre grand enfant de l'équipe, tu sais, c'est notre gros bébé qu'on se surveille, qu'on se dorlote. Hein. Nous, on est des bons parents parce qu'on se le partage tous avec beaucoup d'amour. Et voilà, il y a qu'ici que tu trouveras le tcha-tcha-tcha et un bon tcha-tcha-tcha bienveillant et très, très actif sur les réseaux. Merci à tous, merci à toutes. Comme vous avez compris, c'est pas une simple émission ce soir, c'est la source de tous les combats qui sont à mener pour la suite. Hein, vous avez compris, hein, tous les jours vous êtes là à comprendre. Je vous en apprends beaucoup, les copains. Voilà le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre ce soir, vous l'avez compris, j'espère, parce que c'est ça, le départ de tout, c'est ça, c'est nos enfants. Nos enfants qui sont maltraités depuis malheureusement de nombreuses, nombreuses années. On peut dire des décennies, on peut dire des siècles, on peut dire même des millénaires. Il est temps que tout ça s'arrête parce que ça formate des personnes qui sont dérivantes. Malheureusement, on a pu voir avec ce pangolin qu'on peut avoir à la tête de la République, hein, c'est cet enfant qui a été violé par une prof d'école, dont on ne sait pas si elle a un sexe féminin ou masculin. Ma foi, il n'y a que l'histoire qui nous le dira. Mais voilà où ça peut dériver. C'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que croyez-le ou non, mais ça se passe en ce moment partout dans le monde. Vous voyez bien que ce monde est en train de partir en pleine dérive. Donc, il est temps que ça s'arrête. Il est temps de montrer les choses. Il est temps de lâcher son cœur. Il est temps de dire les mots. Et n'ayons pas peur de témoigner. De témoigner de toutes nos souffrances, mais aussi de témoigner de tout ce qu'on voit autour de nous, de toutes ces dérives, de mettre en exergue tous leurs mensonges, tout leur machiavélisme, tout leur satanisme, de mettre en exergue quelque chose qu'on appelle la franc-maçonnerie, dont on connaît tous le nom, dont beaucoup de personnes détournent encore le regard, malheureusement. Il va être temps de regarder la vérité en face. Je l'ai dit ce matin, je le redis encore, à force de détourner le regard, le jour où vous allez avoir la vérité en face, vos yeux vont brûler, tellement ça sera puissant. Je vous mets en garde.
Et croyez-moi, hein, c'est vraiment en garde que je vous mets. Et continuons le combat. Voilà, les copains. Oui. Rappelons-nous que quand même, la France est une entreprise, hein, sous le numéro 100-000-007. Hein, d'accord ? Et que quand j'ai fait cette déclaration le samedi 5 juin 2021 en Avignon, où j'ai dénoncé au micro que l'enfant était la marchandise la plus exploitée au monde, hein, du fœtus jusqu'à la pédocriminalité, de la muselière jusqu'à leurs 18 ans, c'est une réalité. Donc, est-ce que vous voulez continuer à ce que l'enfant soit marchandisé de toute la manière que vous pouvez imaginer, qui dépasse l'entendement, hein, la capacité de compréhension, parce qu'il n'y a rien à comprendre, hein. Il y a une dure réalité à accepter pour pouvoir avancer, pour pouvoir être combatif et dire stop, stop, voilà, ça suffit les bêtises. Je pense qu'ils se sont bien régalés, hein. Je pense qu'on peut passer à autre chose là. Voilà. Mon papy me disait, dans la vie, prends ce qu'on te donne, mange la vie, mais vraiment, voilà, vis pleinement. Mais il me regardait avec ses grands yeux, il me disait, par contre, n'abuse jamais. Et on est exactement dans ça. Voilà. Donc maintenant, il est temps, il est plus que temps d'agir. Voilà. Agissons. Et chacun son envie, bien sûr, le libre arbitre, nous l'avons. Il n'y a pas d'obligation. Moi, je n'infantilise personne. D'accord? Je dis juste, je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Mais agissez. Moi, la chance, elle ne tombe pas du ciel. La chance, elle se provoque. Elle se gagne. Voilà. Et les choses peuvent devenir magiques et dans le bon sens du terme. Vraiment. Voilà. Ne lâchez rien. Merci, Eva. Merci, mesdames. Merci. Merci vraiment pour votre courage. Merci Eva pour toute la lutte que tu mènes. Bravo à toi. Tu l'as dit tout à l'heure, tu n'es pas maman, mais moi je te dis, tu es la maman de tous ces enfants qui sont en danger, d'une certaine manière. Tu vois, comme quoi, hein, on a des surprises. Dans mon hôtel-restaurant, je maternais mes clients, j'ai toujours materné en fait, malgré moi ou consciemment et inconsciemment. Pour moi, materner, c'est protéger, en fait. Voilà, tout simplement. Bravo. Bravo. Et c'est ce que je dis tous les jours. Hein. Je vous dis, nos enfants, ils sont tout petits. On les voit comme ça, tout petits, petits. Et puis après, on les voit tout grands. Et puis après, on les voit tout vieillir. Et quand tu es tout petit, petit, et quand tu es tout vieux, malheureusement, parce que tu te rapetisses. Et aussi, quand tu es un grand enfant adulte handicapé, ben voilà, tu es un enfant. Et en tant qu'enfant, eh ben, on te doit, c'est un devoir de nous, hein, les autres humains qui sont autour de toi. Moi, je ne parle pas de citoyens, je parle d'humains. Nous, les autres humains, on doit te protéger, on doit t'accompagner. Que ce soit tout au long de ta vie, depuis ta naissance, malgré tes handicaps, malgré tes différences, malgré tes divergences, malgré tes idées qui des fois ne sont pas en accord avec tous les autres. Et puis quand tu arrives à la fin de ta vie, bah, tu dois être aussi accompagné jusqu'à ton dernier souffle, ton dernier moment où tu vas fermer les yeux et dire au revoir à tout le monde. Et voilà, tu es un enfant tout au long de ton existence. Et c'est un devoir de protéger chaque enfant de la planète, chaque enfant humain. Donc, continuons le combat, ne lâchons rien. Et on va se quitter en musique. Mais juste avant de se quitter en musique, je vais encore vous le répéter comme ce matin, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Croyez-le, même si ça ne fait pas de bruit pour l'instant, ça va faire bientôt du bruit. Hein. C'est ce qu'on demande, vérité et tribunal populaire. Non seulement hein, pour tout ce qui s'est passé pendant la période Covid, mais pas que. Toutes les dérives dont on a parlé ce soir font partie de toutes ces choses dont on demande justice et tribunal populaire. Et on réclame la peau de tous ces coupables. Quand je dis la peau, ce n'est pas pour leur faire du mal, mais on veut justice, on veut qu'ils répondent à nos questions, on veut avoir la vérité et on veut aussi qu'ils répondent de leurs actes. Et répondre de ces actes, et ben, c'est de passer par la justice. Et voilà, c'est tout ce qu'on demande. Merci à toutes et tous. Excuse-moi, Lolo, je suis un troublion des fois, je suis indisciplinée, hein, je suis une anticonformiste, hein, je suis née rebelle. Mais comme j'ai salué plusieurs fois ton tcha-tcha-tcha, quand même, dans ton tcha-tcha-tcha,
il y avait ce que j'appelle ma tribu, mes belles âmes. Et quand en même temps que je t'écoutais parler, j'ai vu Peggy, j'ai vu maman Isa. Vraiment, je profite publiquement, le plus clair. Je vous remercie parce que sans vous, sans votre aide, tout ce que vous m'apportez au quotidien pour certains, mais vous vous rendez même pas compte que si j'existe, si je tiens debout, c'est mon courage, bien sûr, mais c'est grâce à vous aussi. Donc, je vous aime très, très fort, mes belles âmes, et c'est jamais été de la flatterie. C'est au contraire pour vous sublimer, pour qu'on se tire tous vers le haut. Et je vous aime très, très fort, vraiment. Merci beaucoup. Je repars, Maëva. Mais non, mais c'est, aussi c'est des larmes. Parce que dans ces moments-là, je me sens tellement enrobée d'amour parce que voilà, c'est tout ça, c'est un travail de fourmi. C'est pas un travail, je change mon vocabulaire. On est en train d'œuvrer en œuvre pour l'humanité. Et vraiment, je salue tout ce travail des gens qui sont pas dans la starisation, ce côté starisant, ce côté visuel, que moi, ça me porte peine, mais il faut bien le faire aussi, c'est important, ce travail-là, bien sûr, et qu'on se doit d'être des porte-parole de plusieurs. Mais sans eux, sans vous, là, qui nous écoutez, qui commentez, qui nous donnez des bonnes infos, qui nous encouragez, qui partagez, qui diffusez, qui faites aussi, vous faites aussi vos ouvrages de votre côté, mais bien sûr qu'on est tous indispensables au jour d'aujourd'hui. On est vraiment dans les fondamentaux, donc vraiment merci. Merci beaucoup. J'ai pas toujours l'occasion de vous le dire, donc là c'est plutôt pratique comme occasion. Voilà. Merci. Merci. Et on n'oublie pas. Deuxième troublionnage, on n'a pas passé Karl. Oui, on n'a pas passé Karl. On aura peut-être l'occasion de reparler de tout ça. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'oubliez pas pour les personnes qui sont dans la région de Toulon, le 16 septembre de 2022, à 8h30, il y a la capitaine Priscilla Madjani, qui passe devant le tribunal. Voilà, soyez là à la soutenir, qu'elle ne soit pas seule. Montrez-vous, soyez visible, donnez-lui de la force. Donnons-lui de la force. Que tout ça ne passe pas comme ça, inaperçu et dans les oubliettes. Non, il faut que tout ça soit médiatisé. Donc, je compte sur vous, les amis, sur la toile. Vraiment, je compte sur vous d'être présent, de montrer les choses. On se quitte en musique. Et effectivement, comme c'est difficile, c'est vraiment injuste. Effectivement, je rappelle la maman de Leroy qui elle passe en procès dans l'Essonne. Le 16 septembre aussi. Voilà, le même jour, bien sûr, parce que comme ça, moi, on ne peut pas s'unir, on ne peut pas être partout en même temps, c'est dédoublé. Donc, je tenais aussi à le souligner. Merci d'avoir pensé à faire le rappel de cet événement, parce qu'on était quand même aussi pour ça, pour l'action, parce qu'il faut agir. Voilà. Et en tant qu'emmerdeur en chef, tu sais pas. Allez, on se quitte en musique pour nos enfants, ne surtout pas oublier non seulement tout ce qu'on vient d'énumérer, mais ce qu'ils ont fait à nos gamins depuis 2020. Allez, c'est parti. Belle nuit à vous. À demain. Merci, matin. Bonsoir à tous. Bonne nuit. N'oubliez pas de rêver. Bisous. Prenez soin de vous. Liberté. Hey, c'est juste un gosse. Qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. Je ne vois plus tes sourires masqués. Je suis sûr qu'ils sont encore présents, visibles juste par tes yeux plissés. Je devine le bonheur des gens, car ça me fait du bien en passant. De toute façon, les gens ne se parlent plus, même dans la rue. Alors moi je m'en fiche, je continue. Je continue à parler avec mon cœur, à respirer la vie, à sourire avec ma bouche. Je sais que certains ne sont pas de cet avis et qu'ils trouvent ça louche qu'un enfant de 8 ans, parmi les passants, ne soit toujours pas muselé. Désobéissant.
Peu importe ce que tu diras, monsieur le président, j'ai envie de changer le monde. J'ai juste envie d'envoyer de belles ondes. Avec la vie, je me positionne en regardant ma maman Lyonne, qui protège ma vision loin de cette télévision. Même si ça peut vous déranger, je resterai ce petit garçon qui continuera à semer des sourires pour enlever tous ses soupirs. Le monde est sous hypnose, ils n'ont que moi en bouche, à titre à dose. Chaque jour on subit le sommeil collectif, les taux se resserrent. La sensation de liberté devient de plus en plus jouissive. On ira jusqu'en enfer s'ils veulent, mais on gardera notre lumière. On restera libre, mon frère, protégez vos enfants. Vous êtes les parents, les gardiens de leur rêve. Face à ces monstres, il n'y a pas de trêve. Vous êtes leur dernier rempart, avant qu'il ne soit trop tard. Dernière génération libre, aujourd'hui on vous projette le pire. On vous enferme dans la peur, obscurcit vos cœurs, vous manipule et vous culpabilise. Regardez cet enfant, il ne demande qu'une étreinte. Il a besoin d'amour et non de contrainte. Assassin de la vie, assassin de la rêve, du traumatisme en cadeau. Est-ce là une père, est-ce là une mère? Ce sont vos fardeaux, vous leur chargez sur leur dos. C'est votre lâcheté qui les rend prisonniers. Ce sont des êtres vivants qui ne demandent qu'à s'ouvrir, loin de vos bulles de mort vivants. Avez-vous oublié lorsque vous étiez enfant, quand vous couriez, quand vous marchiez en chantant, en sautillant? Rappelez-vous ces instants. Mon enfant, la maîtresse n'a plus voulu de toi, car tu ne portais pas de masque. Mon enfant, tu remercieras papa plus tard. Jamais je t'ai interdit de faire bisous à mamie. À présent, tu fais l'école à la maison. Tu iras à ton rythme. Personne ne te mettra la pression. Tu es libre et tu le resteras. Ils ont exigé un passe-droit pour que tu ailles t'instruire et que tu fasses du sport. Mais papa ne pleure pas sur son sort. Tu iras courir et sentiras le vent tel une fleur. Tu apprendras les vraies valeurs. Amour. Partage. Respect. Liberté. Non, on n'oubliera jamais ce qu'ils ont fait.